which clothes even fit me. Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Vous écoutez Rire et Chanson, il est 8h45. L'appel trop con de Rire et Chanson. Ah, l'appel trop con de Martin sur Rire et Chanson dans le Morning du Rire. Une nouveauté dont on se passerait bien, je ne sais pas si vous avez suivi, c'est le prix du gaz qui a augmenté de 12,6% pour le 1er octobre. Ben, l'appel trop con vous propose la solution. Ah. Pour ne pas faire grimper vos factures, voici le gaz alternatif. Mmh. Ben, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Heureusement que Martin est là. Bonjour monsieur Martin, société Martin Plomberie. Oui. Je suis bien chez le traiteur. Oui. On va vous passer au gaz alternatif pour éviter la hausse du prix du gaz. On peut intervenir quand? Ben nous on est fermé le lundi. Ok, donc je note qu'on fait ça lundi prochain. Ouais, ben moi y a pas de souci. Et on devrait terminer le lundi suivant, donc ça fait... Une semaine? Ah bah oui, c'est ça. Oh, une semaine de travaux. Vous avez quoi comme matériel? En gaz? Ouais. Comment on appelle ça? Il y a deux marmites de cuisson. Alors, deux marmites de cuisson. Et après, c'est deux brûleurs à gaz. Plus deux brûleurs à gaz. Ok, bah on va vous les remplacer. Bah ouais, mais tout ça, c'est aux frais de qui, ça? Qui c'est qui paye tout ça? Ah, c'est vous. C'est qui? Bah c'est vous. C'est moi? Bah je commande rien du tout, moi. Ah si, vous venez de me commander deux brûleurs et deux marmiteurs. Ouais, vous voulez que je vous passe mon mari? Comme ça, on va régler le problème tout de suite. Ah oui, dans ce cas, passez-moi la personne compétifiante, s'il vous plaît. Eh ben, on va voir ça tout de suite, vous allez voir. Merci, monsieur. Tu peux venir, s'il te plaît? Pour le gaz, ouais. Mettre du gaz par rapport à la hausse. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Oui, allô? Oui, bonjour. Ah, mais il n'y a rien qui change ici, monsieur. Le gaz, il reste comme ça. Moi, là, vous avez le directeur. Là. Oui, alors, bonjour, madame. Un directeur, c'est pas bonjour, madame. Oh, pardon. Bonjour, madame la directrice. Il faudrait peut-être que je sois au courant qu'il faut passer au gaz alternatif. Hein. C'est quand, ça, encore, cette connerie-là? C'est tout nouveau. C'est rapport à la hausse du prix de 12%. Ouais, bah, je m'en fous. Je paierai les factures. Bon, il n'y a rien qui change. Alors, plus précisément, le prix de la facture ne changera pas. En revanche, le gaz se coupera 6 minutes toutes les 24 minutes. Comment ça va se couper toutes les 24 minutes? Alors, pour la chaudière, comment ça marche? Ah, il y a une chaudière aussi. Attendez, je rajoute sur la liste du matériel. Mais quel matériel vous me parlez? Je vous parle de votre commande avec les marmitateurs et les brûlifieurs. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qui a commandé quoi? Avant vous, j'étais avec le patron qui m'a passé. Non, mais le patron, c'est moi au téléphone. Non, le monsieur que j'ai eu avant vous. Ma femme? Oui, sûrement, oui. Eh ben, ce monsieur, la femme, il m'a passé la commande. Elle a rien commandé du tout, elle a rien du tout. C'est moi l'employeur. Justement, si vous êtes que employeur et pas patron. Je vous dis que moi, je suis l'employeur et c'est moi le patron. Alors, pardon, mais l'employeur, c'est celui qui travaille pour un patron. Non, mais un employeur, c'est quelqu'un qui paye son employé. Du mal, toi. Bah, employé, oui, c'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. Un employeur, c'est un patron. Un employé, c'est un ouvrier. Eh ben, alors, passez-moi le patron. Oh là. C'est moi le patron, je vous dis depuis tout à l'heure. Oh, eh ben, dites-le si vous êtes le patron, tu vois, ça va être ma faute. Bah ouais, c'est de votre faute. Ça fait 20 fois que je suis en train de vous dire que c'est moi le patron. Bon, bah, vu que l'autre patron m'a commandé pour vous, effectivement. Il y a pas d'autre patron puisque c'est moi l'employeur. C'est moi le patron. Ouh lolo, c'est pas clair votre truc. Hein. Non mais vous, commencez à me casser les couilles, ça va être français, d'accord? Bon, vous serez là cet après-midi? Non, je ne suis pas là, monsieur, après-midi. C'est pas grave, sortez-nous vos appareils sur le trottoir, on les embarquera. Non mais toi, je te dis que j'ai rien commandé, d'accord? Et que je vais pas changer mes marmites de cuisson. Ah oui, mais alors après, faut pas râler si vous êtes pas compatible au gaz alternatif. Non mais toi, t'as du mal, t'as compris ce que je te dis? Alors ça dépend, parce que c'est qui? C'est le patron ou c'est l'employeur, là? Non mais laisse tomber, c'est quoi, on va casser les couilles à quelqu'un d'autre? Mais moi, sinon, s'il y a pas le patron, passez-moi le responsable. Et c'est quoi tout ça? Il a du mal, mais il vous entend parce que vous avez mal à...
ça marche à tous les coups. Oh, on adore. C'est moi le patron. Ah, bah c'est vous, bah, parce qu'on vous cherchait, mon gars. Mais quand c'est encore cette connerie-là? Mais non, alors cette connerie-là, c'est Martin, c'est son appel trop con, puis c'est tous les jours. Mais toi, t'as du mal, t'as non, compris ce que non, je t'ai dit? Bah, parce que j'ai pas dit explicitement. Alors, c'est donc Martin, l'appel trop con tous les jours sur les chansons. Rendez-vous, bon, ça me casse les couilles. Non, pas du tout, pas, non, mais non, vous énervez pas. Laisse tomber, c'est quoi, va casser les couilles à quelqu'un d'autre? Oh, la vulgarité. Écoutez, en plus, et puis non, on en a besoin, Martin aussi, d'ailleurs, il me semble. Oui. C'est pour ça. Allez, bon courage. Avec ce single demi-dieu extrait de son EP de 5 titres. Voilà, avec ce très très beau single à découvrir partout. Donc ça s'appelle. Et puis c'est l'aventure qui continue d'ailleurs. Hein, c'est un peu l'exemple. Exactement, c'est un peu le EP s'appelle L'aventure Exactement. Continue avec ce single demi-dieu. Voilà, Hold the Love que vous retrouvez du lundi au jeudi, vous le savez. Sur les chansons déconne. Voilà, sur les chansons à 7h45 et 9h45. N'oubliez pas, nous aurons Elodie Pou aujourd'hui à 9h45 parce que nous sommes vendredi 8h53. Bon Jusqu'à 10h. Sur les chansons. De la chancelière allemande Angela Merkel qui a tiré sa révérence quand même après 16 ans au pouvoir. Angela Merkel qui a laissé sa place à Olaf Scholz, le nouveau chancelier. Wow, ça va, tu l'as bien dit, hein. Va falloir s'habituer quand même à le dire. À prendre les noms allemands. Y a. 16 ans au pouvoir quand même pour Angela Merkel. C'est peut-être ça la robustesse allemande. Tu vois ouais. On aurait peut-être même pu en faire une pub, je trouve. D'assiste le modèle Angela Merkel. 2005-2021. Zergut modèle. Sie hat eine große Karosserie d'origine impeccable, qui peut traverser les tempêtes und sie ist capable de résister à 4 présidents français différents. Präsidenten François Hollande, dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, französischer Präsident Nicolas Sarkozy. Et Chirac. Sein Design, qui a su traverser les générations, garantit à la Angela une durée de vie de 16 ans, en évitant les sorties de Strasse. De quoi faire des jaloux. J'adresse donc mes félicitations à la chancelière Angela Merkel. C'est formidable ce que tu as fait.
La Angela consomme seulement 5 litres de bière au 100. Deutsches Bier. C'est pourquoi nous pouvons la garantir 16 ans. Odeurs Exzentaus. 16 000 km. Angela Merkel. Deutsche Qualität. Ça, c'est allemand, ça. C'est la bonne langue. Ah, c'est ouais. Solide, hein, c'est solide. J'aime trop l'alcool. Parce que j'aime trop faire la fête. Et les gens me disent toujours, ouais, tu peux faire la fête sans alcool. Ok, alors ça s'appelle une réunion. Ah ouais. Et t'es obligé de draguer les meufs avec des PowerPoint et tout, c'est pas pareil, moi je veux bien, mais. J'aime bien l'alcool, j'aime bien être dans le moment présent en fait. Et je considère qu'il n'y a aucun moment de ta vie où t'es plus dans le moment présent que quand t'es vraiment, vraiment sous en fait. C'est vrai. Genre, tu sors de boîte, t'insultes le videur, bah, t'es dans le moment présent. Tu penses pas directement à une urgence médicale, etc., intubation, kinésithérapie et tout. Ça, ça vient après dans ta réflexion. Mais sur le moment même, la force du moment présent, c'est que tu te dis, je le prends, tu vois, y'a pas de problème. Ça, c'est le moment présent. Et pour autant, l'alcool, j'en ai besoin parce que je suis un anxieux. Et j'ai besoin d'une quelques vodkas pour un peu me désinhiber, pour que mes angoisses disparaissent et tout. Après 3 vodkas, je me sens en général beaucoup mieux. Le problème de la vodka, c'est qu'après 12 vodkas... On n'est pas bien, Pierre, en effet. Mais la 12e vodka, elle pose une vraie question. Et là, je vais être sérieux 2 secondes, les amis. Est-ce que la 12e vodka te transforme? Ou est-ce qu'au contraire, la 12e vodka te révèle réellement en tant qu'homme? Vraie question, hein, qui marche aussi avec les filles après le 2e verre de cidre. Hein. Ça voyait un peu le genre de déclic que tu peux avoir dans la tête, de problèmes d'orientation. Ah, comment s'appellent mes parents? Où est ma gauche? Où est ma droite? Etc. Non, mais c'est le même genre de truc qu'on peut avoir dans le cerveau. Elles me font toujours marrer, les filles. Elles sont genre, quoi, j'ai couché avec ton meilleur ami? Oh, je me rappelle de rien, tu sais, j'ai mangé un tiramisu. Désolé. Hein. Quoi, il y avait de l'amaretto dedans. Horrible, trou noir, 4 semaines. Genre, un jour, je sors de boîte, comme ça, je prends la voiture, j'avais pas trop bu. J'étais pas inquiet, c'est-à-dire qu'en Belgique le taux légal était à 0,5, mais si t'es blanc, tu peux monter jusqu'à 2,40, 2,60, plus ou moins. Enfin, je dis pas que la police est raciste, hein, je dis juste que quand ils croisent un blanc qui a picolé, bah, ils s'identifient, quoi. Ils disent, oh putain, ça aurait pu être moi. Sauf que là, j'étais déjà à ce moment-là en retrait de permis pour conduite en état d'ivresse. Une très très belle confiance en ma couleur de peau, quand même. Très belle confiance. Et je lève la tête et je vois qu'il y a un barrage de police, quoi. Je me dis, oh putain, j'ai dit, je suis en récidive, je suis en retrait de permis, cette fois-ci je vais aller en prison, quoi. Avec la tête que j'ai, moi, en prison, ça va tenir genre 9 secondes plus ou moins. Je venais de me faire ce tatouage en plus que je vais vous montrer. Ça en prison, ça veut dire c'est par ici que ça se passe, hein, vraiment. Eh, hey, vous le poutre. Pas plus de 4 à la fois, ceci c'est vraiment important, mais. Bon, là en plus, tu tombes pile quand il y a. Comment je vais faire sans l'usage de mes jambes, tu vois, pour tout ce qui est sport de raquette et tout. Je pense à ça quand j'arrive à la hauteur du flic. Sketch de Guillaume Auguise que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire, donc tu vois, comme quoi, des fois. Je regarde le flic et je dis, eh ben monsieur, honnêtement, pas tant que ça ce coup-ci. Pas tant que ça ce coup-ci. Mais ouvre ton cœur, alors t'es. Merde, t'as. Délire, t'as besoin de l'alcool, ouais, je suis défoncé, mais je gère. Hein. Puis il est 3h du matin, hein. Si j'écrase quelqu'un, ça peut pas être un innocent. Hein. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. Il y a plus d'innocents dans la rue, mon vieux, à part les boulangers. Si je prends un boulanger sous le capot, je serai dans le pétrin, t'as compris? T'as été scolarisé, laisse-moi passer le suppôt de pouvoir. Tu vois, autant, eh ben c'est là qu'être blanc, ça fait toute la différence, évidemment. Parce que le flic, il me regarde, il me fait, allez. Prudent, hein. Prudent. Si j'avais été noir ou arabe, ce sketch, je le ferais sur Skype, hein, dans ma cellule. Hein. C'est blanc, hein. Ouais, c'est vrai. Oh, bordel. Oh là là. Ouais. Non, mais voilà, Guillermo Guise, c'est rigolo, parce que du coup, tu vois, comme quoi. Guillermo Guise, j'adore. Il me fait beaucoup rire. Je vous conseille ses chroniques sur France Inter. C'est très très drôle. Voilà. Et j'avais vu son spectacle par hasard. Il me fait rire, voilà. À 3h, dans les rues, il n'y a pas d'innocents. Et ça me fait rire cette phrase. Ah, bordel. Comme quoi. Mais par contre, juste avant, là, avant que vous arriviez, là, j'ai écouté un peu, là. Ça fait déjà 20 minutes que je suis dessus, hein. Rire et chanson. C'est compliqué, hein. Par contre, on va sûrement avoir bientôt les imitations de Kylian Mbappé. Vous allez voir. Ça va vous faire rêver, ça. Ça va vous faire rêver. Auchan, avec plaisir. Jusqu'au 12 octobre chez Auchan, le set complet défalage. Ah, j'ai pas oublié la cabine de camion. En fait, j'ai passé 5 minutes à essayer de comprendre, mais j'ai l'application Nvidia Live Broadcast qui ne fonctionne plus. Voilà, elle reconnaît plus mon micro, elle reconnaît plus la caméra. Et voilà. Et en fait, je crois que c'est ça qui m'a fait cracher Tarkov. Enfin, je sais pas, peut-être c'est pas ça, hein, mais. Mais je me demande si c'est pas ça qui m'a fait cracher Tarkov hier et avant-hier. Parce que j'avais laissé la caméra allumée, et donc il y avait le truc qui tournait toujours en fond, et ça l'a.
Ouais, et là du coup, il ne reconnaît plus. J'ai essayé de désinstaller, réinstaller, clean install. Que dalle. Donc j'ai pas eu le temps encore de troubleshooter tout ça. Donc non, j'ai plus la cabine pour ce matin, je suis désolé. Mais j'essaierai de réparer ça pour... J'essaierai de réparer ça. Jusqu'à dimanche, le rôti de bœuf 2 ou 3 étoiles, origine France, est au prix imbattable de 8,39€ le kilo. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence. C'est ça, un prix imbattable. Carrefour. Bien compris. Modalité sur carrefour.fr. Ouais, les imitations d'Mbappé, mec, t'as hâte? Non, t'as pas hâte. T'es pas prêt. Je te jure, t'es pas prêt. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? T'es vraiment pas prêt. Attends. Ah non. Bon alors du coup, après à J+1 après Rire et Chanson, a priori sur Twitch j'ai reçu aucune alerte. Par contre j'avais uploadé la vidéo sur YouTube et en fait pour toutes les chansons, il me dit impossible de monétiser et il y a une chanson où ça me dit même bah vous pouvez pas diffuser cette vidéo quoi. Donc j'ai fait en sorte de couper le segment même si je m'en fous, je change pas grand chose mais... Et voilà. Voilà. Se détendre avec les stars du rire, on aura Coluche et Elise Moon pour cette première demi-heure. Eh ben Coluche. Bonjour Rémi Marceau. Nouveau talent, nouvelle star du rire. Je sens que vous allez encore vous moquer de moi. Non, pas du tout, je un tout petit peu. Bonjour Teddy. Bonjour Bruno. Bonjour Mathilde à la réalisation. Mon enfant, il a pas marqué Radio Réveil. C'est ça. Ça ne me fait pas sourire. Bon, j'ai bien compris que vous n'étiez pas à la fête en ce moment, monsieur Sarko. Oh, oh. Bah oui, oui, oui. Bah, le tribunal correctionnel de Paris a rendu sa décision dans l'affaire Big Malion concernant les dépenses de la campagne présidentielle de 2012 de Nicolas Sarkozy, donc. Non, c'est un français qui a quand même écopé d'un an de prison ferme. Bon, aménagé, hein, avec un bracelet électronique. Voilà, une décision dont il a fait appel. Merde, défaut d'éclairage, mais tu te fous de ma gueule. Il a été condamné à 3 ans de prison, dont un ferme dans l'affaire des écoutes. Bon, ouais, il avait fait appel. Le Libyen, tout ça, peu de pognon, le Kadhafi, tout ça, l'appel, tout ça. Donc, décidément, il y a beaucoup d'appels quand même, hein, je trouve. Et beaucoup de Sarko en ce moment, dans la twittosphère. C'est vrai, notamment Robert qui nous dit condamnation à un an ferme pour Nicolas Sarkozy, Carla Bruni reste sans voix. Ah mon dieu, mais en plus. Sterling, les gens qui se réjouissent de la condamnation de Sarkozy à un an de prison ferme, je vous rappelle que ça veut quand même dire qu'on va se le récupérer comme chroniqueur chez Hanouna. C'est pas faux. Un tweet de Bobo qui dit. Ah, ça c'était rigolo. C'était rigolo de dire on va le retrouver chez Hanouna. Si à 60 ans t'as pas ton bracelet électronique, t'as raté ta vie. Ah, ça c'est non, ça, pas les imitations. Les imitations c'est pas rigolo. Oh, ça va bien. On retrouvera Rémi Marceau qui refera l'info tout à l'heure à 9h30. Et ne ratez pas le retour de Marie Reynaud avec son clavier magique. Ce sera pour la drôle de chronique. Ouais. Eric Zemmour, c'est un humoriste qui fait rire et pas rire. Hein. Pas beaucoup rire quand même. Hein. Malade, pauvre malade, tu te fais chier, va mourir à l'hôpital. Je l'ai lu, moi, le livre de Rick Azaray. Tu trempes le cul dans l'eau froide et puis tu décolles la vignette qu'il y a sur le disque et il est remboursé par la sécu. D'ailleurs, Rick Azaray, elle a fait de mal à personne. Les seuls qu'elle a rendu malade, c'est les médecins. Et les prix Nobel, parce qu'elle a quand même vendu plus de livres que le prix Nobel. Remarquez, moi, j'y crois à ces trucs-là. Je me souviens, il y avait une grand-mère, elle disait toujours... Il faut boire un Ricard avant chaque repas et on n'est jamais malade. C'est vrai, mon grand-père était en pleine forme. Faut dire qu'il avait 3 mois d'avance. Mon grand-père est mort dans des souffrances terribles. Il disait au médecin, je souffre, docteur, laissez-moi mourir. Alors tu dis, mais je vous en prie, je n'ai pas besoin de conseils, je connais mon métier. Mon grand-père, il disait, je préfère mourir que d'être opéré. Le médecin, il a dit, mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais monsieur, mais oui, on peut opérer sans anesthésie. Avec des boules caisses. Ah, oh, Dieu. D'ailleurs, vous n'êtes pas malade. L'autopsie prouvera que j'avais raison. Ce qu'il y a très souvent, c'est que le médecin guérit la maladie et finit quand même par tuer le malade. Et puis la médecine, c'est quand même un métier dangereux. Les clients qui meurent pas peuvent porter plainte. Il vaut mieux être médecin que malade. Hein. Parce qu'à ce moment-là, si vous voulez pas être malade, si vous voulez pas mourir, le mieux, c'était carrément de pas naître. Hein. Avec la capote Nestor, je suis pas né, je suis pas mort. Hein. En tout cas, le bouquin de Rick Azaray, il est super. Moi, je suis allé dîner chez elle, c'est que de l'herbe. Hein. Elle disait, dépêchez-vous, le dîner va faner. Tout le problème, c'est pas pour grossir, hein, parce que moi, j'avais de la famille italienne. Vous savez la différence qu'il y a entre une grand-mère italienne et un éléphant? Environ 10 kilos.
Et mon grand-père était complètement miro. Une fois, il est allé chez l'opticien, il n'arrivait pas à voir le mur, même où il y avait les lettres. Le mec qui a dit, c'est pas des lunettes qu'il vous faut, c'est un chien. Hein. Chez ma grand-mère, tout le monde faisait la prière avant la bouffe. Faut dire que la bouffe était dégueulasse. Faut vachement se méfier à ce qu'on mange. Encore que le champignon le plus vénéneux, c'est quand même celui qu'on trouve dans les voitures. Dans le bouquin de Casaray, je vois que faire quand vous avez les dents jaunes. Très simple, porter une cravate marron. Il y a des combines, hein, naturelles, bien sûr. Contrôle à tout, par exemple. Vous prenez un bon laxatif. Ben, vous osez plus tousser, hein. C'est comme les psychiatres, hein, c'est très efficace. Moi, avant, je pissais au lit, j'avais honte, hein. Je suis allé voir au psychiatre, je suis guéri. Maintenant, je pisse au lit, mais je suis fier. N'empêche que ce mec-là, hein, pour 15 000 francs, il m'a débarrassé ce que j'avais. Hein. J'avais 15 000 francs. C'est comme les gynécologues, c'est un métier formidable. En plus, c'est un métier pour les sourds. Ouais, je pense que c'est référence à Balkany chez TPMP, ouais. Moi, j'en connais un gynécologue, pour pas perdre la main pendant ses vacances, il repeint le corridor en passant la main par la boîte aux lettres. Ah, très fort, très fort. Il y a dans le livre de Rick Azaray, le masque pour la nuit. Tu te mets des carottes, des olives, des œufs, des champignons, au réveil, t'as une pizza. Dans le livre de Rika aussi, il y a un truc pour pas perdre ses cheveux. Moi, je sais ce qu'il faut faire pour pas perdre les cheveux. Il faut se frotter la tête avec du papier à chiottes. Parce que moi, je me torche le cul depuis des années, il me manque pas un poil. Hein. Oh, bordel. Ah là là. Allez, au sombrero de la mer. C'est parti. Allez, nous écoutons actuellement un meurtrier. C'est parti. Il est où d'ailleurs, lui? Il est toujours en prison ou il est sorti? Ah, il est sorti, je crois. Oh là là. Putain, je te jure. Ouais, bah ouais, comment elle s'appelle là? J'ai perdu son nom. Pourquoi j'ai perdu son nom? C'était. Eh ben, j'ai perdu le nom, tu vois, comme quoi. C'est vieux, hein, ça a quoi? Ça a 30 ans quand même. Bah, tabassé et elle en est morte, hein, si je dis pas de conneries. Hein. Enfin, en tout cas, elle est morte, elle. Et suite à une dispute, donc j'imagine qu'il l'a tabassé et qu'elle en est morte, quoi. Voilà, attention du sable. Oh là là, où on est là? Oh là là, oh doucement, mon coco là, oh. Ouais, c'est beau là. Là, c'est beau là. Là, on est dans le sud de la France. Ouais, ouais. Non, Bertrand Cantat, ouais. Bah, il avait fait de la tôle, je crois. Et où ils étaient, c'était en Lituanie ou une connerie comme ça. Et après, je savais plus s'il avait été rapatrié en France ou pas. Il me semblait que j'avais vu qu'il était sorti il y a pas longtemps, peut-être il y a 2 ans, comme ça. Ouais, le salaud, comme tu dis, ouais. Alors, qu'est-ce que j'aime? Et qu'est-ce que je transporte, au fait, là? Je sais pas ce que je transporte. Je sais même pas ce que je transporte. Oh là là, des petites routes comme ça, là. Au milieu des oliviers. C'est des oliviers, ça? Ouais, non, peut-être pas. C'est peut-être plutôt des... Quoi que, je sais pas trop. C'est tellement bien modélisé que j'en sais rien, en fait. Allez, Marie Trintignant, voilà, merci. Merci. Bah non, mais voilà. Et ouais, et hier, mec, c'est un 4x4. Ouais, franchement, on fait passer dans des routes. Hier, on a fait un tout petit scav, tu vois. Merde, un petit scav. Et en fait, ça a été la cata. Moulpout, il s'est blessé juste à la fin. Donc, en fait, et en plus, moi, mon sac, tout était plein. J'avais tout plein. Et, tout. Et voilà. Et le problème, c'est que du coup, il est pas arrivé à temps. Il est mort avant. Et moi, mon jeu a complètement crashé. Donc, du coup, j'ai pas pu partir, quoi.
Exactement. En fait, en bon élève, pour ma rentrée, je me suis dit, je vais suivre les bons conseils de notre cher directeur de radio qui m'avait dit, après ma première chronique, Marie, pour que ce soit drôle, il faut que tu dises le mot bite ou le mot couille. Ah oui, d'accord. Sinon, oui, ah voilà, bite et couille, ça y est. Bon, bah écoutez, je pense que ça va être d'un très très haut niveau. Si ça lui plaît pas aujourd'hui, je raccroche les gants. Hein. Allez, restez là, c'est dans une minute. Mais il m'a pas compté mon défaut de phare. Carrefour. C'est ni l'accident. Sont nos promos. Vous êtes 224 c'est gentil. À nous avoir demandé des promos sur les jeux vidéo. Ah non, un plus hier. Franchement, j'avais un sac à dos, il était rempli. J'avais un gilet, il était rempli. J'avais trois armes, j'avais de quoi le revendre. C'était un SCAV à 100 000 roubles, easy. Easy 100 000 roubles. Et mon ordi a craché, mais genre, enfin mon jeu a craché de ouf. Ça m'a fait péter plein de trucs. Et le temps que je revienne et que ça reconnecte, il me restait 7 secondes et j'étais trop loin, évidemment, du point d'extract. Donc j'étais dégoûté. En plus, Moulpout, il avait tué un SCAV récalcitrant, là, un SCAV hostile, du coup il a gagné des points, donc franchement c'est... Bon bref, la cata. Vous savez quoi, j'ai 66 000 dollars, je me sens riche, je pense qu'il est temps de faire un prêt pour acheter un camion, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vendeur de camions, je vais déjà regarder les camions qui me prêtent. Ah non mais ça, je vais acheter un camion. Visiter le concessionnaire, je vais acheter le concessionnaire à Lyon. J'ai une super idée de plat pour dîner en famille ce soir. Visiter le concessionnaire, bah ouais, on va regarder le concessionnaire à Lyon. Alors, qu'est-ce qu'il a comme camion? Allez, vas-y, file chez Auchan. Auchan? Moi c'est pas ça, ce que j'aimerais c'est franchement, oh là, les chevaux et tout ça, mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ce genre de truc? Personnaliser la configuration, voir liste des magasins participants et détails sur Auchan.fr. Auchan est l'enseigne préférée sur la fraîcheur du poisson en hypermarché pour votre santé. Ah ouais, j'ai rien quoi. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Ah voilà, moi c'est ça que je veux, c'est l'intérieur. Le mois Intersport a commencé et quelle surprise nous réserve cette année des réductions. Waouh, il a l'air austère celui-là. Grand jeu avec 1 million d'euros cadeau à gagner. Ouais, c'est vraiment, il a l'air taille de vieux celui-là. J'imagine que je trouverais pas mieux, c'est ça. Il y a pas d'autres camions là? Ah si, il y a d'autres camions. Alors ça, alors attends, c'est quoi ça? Renault Premium Nordkoupe, combien ça vaut? 108 000. Ça vaut 115 000. Alors la cabine. Avec Marie Renault aujourd'hui qui fait son grand retour et sa rentrée. Bonjour Bruno. Bonjour. Ouais, c'est pareil, ça a lieu. Ouais, voilà les boutons de la clim déjà. Tu sens que c'est un peu vieux là. Pour cette première chronique, je voulais remercier tous ces gens qui m'ont écrit, ont envoyé celui-là. Une photo de leurs vacances sur internet. Oh. Et en particulier, ça c'est beau ça. Ah mais ils sont là. Sexe en photo. Ah bah de toute façon j'ai pas 30. Ah je peux faire plein des trois, d'accord. Dis donc ma chanson à ces personnes timides qui ont la peur. Ah il faut des niveaux, ok. Montrer leur visage. Ok. Et qui n'ont sans doute pas les moyens de partir en vacances pour n'avoir. Ah ouais, le Renault grande cabine là, ce sera mon. Voilà Renault Magnum Excellence. Qu'est-ce que ça dit à l'intérieur? Si je vais dans la cabine. Aujourd'hui 8h18, je reçois un message de Bertrand. Ah oh ouais. Oh là, c'est les années 90 hein, qui frappe à la porte. Hein. Il a cru bon sans préambule de me partager une photo très intime et ridicule de son petit chapiteau. Je n'en ferai pas tout un. Oh ouais, non mais la ventilation est tout là. Bon, qu'est-ce que je fais? Je me lance ou pas? De toute façon, faut que j'emprunte 100 000, là, c'est sûr. De toutes les couleurs, je pourrais m'en faire des colliers de fleurs, des collections pour albums Panini, un trombinoscope, une anthologie. Bien sûr, parfois, les actes valent mieux qu'un long discours. Mais si vous bon, avez du tact, on va aller faire un prêt à la banque. Bonjour, Marie. D'ailleurs, Bruno, à ce sujet, il faudrait... Parce qu'attends, après, il y a d'autres concessionnaires. Ne vous inquiétez pas, il vaut mieux une petite courageuse qu'une grosse fainéante. Oui, moi, c'est pas... C'est gênant. Moins, il n'y a que deux vendeurs pour l'instant. De pratiquer cet exercice. Genre, il faut les débloquer, quoi. Qu'est-ce que ça dit, ça? Ah, man. Maintenant, sur Internet, c'est si simple de se sentir puissant en zoomant sur votre quéquette que vous prenez pour la bête du Gévaudan. Mais vous nous faites mal aux yeux avec vos clichés un peu flous de votre membre paresseux qui peine à tenir debout. Ouais. Non, c'est lui aussi. C'est vrai qu'une armée de bites de toutes les tailles, eh bien, ça peut faire peur.
Et je vous épargne les détails, j'ai l'image, mais pas l'odeur. Oh, ne seriez-vous pas plus serein? Montrez que vous en avez dans. On va prendre Renault, hein. Juste assez tout au moins pour la garder dans votre poche. Que se taise cette. Alors, je voulais juste faire un truc. Cette ritournelle de poutrelle. Oui, que cesse cette farandole. Cette farandole. Mettre ça pour améliorer l'aliasing. Ah là là, excellent. La chanson qui fera que...
Jusqu'à dimanche, la mangue est au prix imbattable de 95 centimes. Ah, il faut que j'aille au truc. Et si vous trouvez moins cher, j'avais dit celui-là. Ouais. On rembourse deux fois la différence. C'est ça, un prix imbattable. Carrefour. Origine Espagne, variété Austin, catégorie 1, calibre 8-9. Modalité sur carrefour.fr. Oui, ben celle-là, à prendre une mission, je veux celle-là, je veux aller à Montpellier. Blague. Un paysan qui a une vache qui produit 40 litres de lait par jour. Donc c'est super incroyable. Il y a des journalistes qui viennent à la ferme pour voir un petit peu, pour constater la chose. Et donc ils interrogent le paysan et comment ça se fait, tout ça. Et donc bah, il leur explique, bah, tout simplement, j'ai motivé ma vache. Et alors comment vous avez fait? Bah c'est facile. Je la caresse et je lui demande, qu'est-ce qu'on donne aujourd'hui? Du lait ou de la viande? Ça se passe en Belgique, dans une maternité, il y a monsieur Van de Velde qui est là, qui fait les 100 pas pendant 4 heures parce que sa femme est en train d'accoucher. Et là, il y a monsieur Van der Broek aussi qui va dans la salle des 100 pas aussi et qui commence à marcher. Il dit oh, moi j'attends. Et là, 10 minutes après, il y a la sage-femme qui arrive qui dit Monsieur Van der Broek, c'est un bébé, c'est un garçon. Alors, monsieur Van der Broek, il est content, et monsieur Van de Velde, il passe devant, il dit oh, dites-là, j'étais là avant moi. Mon Dieu. Radio digitale Rire et Chanson Blague. Disponible gratuitement sur smartphone, tablette et sur rireetchanson.fr. Rire et Chanson, tous les jours, écoutez les nouvelles stars du rire. J'habite à Pantin. C'est vraiment Boboland, le bordel. Hein, c'est-à-dire qu'en bas de chez moi, j'ai une cantine végane, un cyclo-café, une école Montessori. On a même créé un groupe Facebook de la résidence, comme ça, oula. L'économie du partage. Putain, marche rien. Il y a même des discussions pour savoir où mettre le composteur dans la résidence. Début janvier. Mais qu'est-ce qu'ils ont les gens à faire des sketchs sur les bobos et tout ça là, c'est ouf. Il y avait marqué qui coule les voisins. Églantine, votre voisine au fond du couloir à droite, vous convie ce dimanche à 17h pour faire un apéro d'étage. Attention, seuls les gâteaux faits maison sont autorisés. Et en dessous, il y avait marqué PS, trois nouveaux bébés à l'étage en 2018 qui se lancent pour 2019. Putain, mais va chier, Glantine. Va chier des gamins sans gluten, mais va chier. Là. Et donc, je rentre chez moi, j'habite au 7e étage, j'ai un balcon. Et de là, je peux voir qu'on est dans le temple de la gentrification. Parce que nous, on est dans un éco-quartier tout neuf. Et juste en face, tu traverses la rue, t'as une épicerie ouverte 24 heures sur 24, un kebab, un coiffeur sri-lankais à 6 euros la coupe. Et un petit peu plus loin, il y a des migrants dans des préfabriqués. Et moi, je me dis, c'est fou quand même. On habite la même rue et pourtant, on a une vie tellement différente. Et je me suis demandé ce que je pourrais faire concrètement pour les aider. Et là, je me suis rappelé de l'histoire de Mamoudou Gassama. Vous voyez le migrant qui a obtenu la nationalité française parce qu'il avait sauvé un enfant qui était pendu à un balcon. Bon ben j'habite au 7e, j'ai un balcon. Je peux peut-être leur filer un coup de main. Problème, j'ai pas d'enfant. Je vais quand même m'arrêter au premier obstacle venu. Il y a un square en bas de chez moi. Donc là je descends, lequel je choisis? Émile Louis dans un orphelinat. Et donc j'en choisis une, et là je repars avec chlamydia. Autant pour moi c'était camélia. Ouais, c'est le problème aussi avec les bobos, ils donnent des prénoms, soit ça ressemble à des MST, soit c'est des prénoms de vieux. Moi je suis pas contre les prénoms rétro, mais je trouve qu'il faut... Ouais, non, mais je sais les prolétaires, après moi c'est pas, ça me dérange pas, mais j'ai l'impression qu'il y a en ce moment, ça... Alors après peut-être parce que je suis tombé sur des trucs coup sur coup, mais là je suis tombé sur... Le dernier film Fabien Antoniente, grand réalisateur cet homme, 100% bio, j'ai vu la bande-annonce, d'ailleurs qui est même pas sur YouTube, c'est un film diffusé que sur France 3 avec Didier Bourdon et tout, enfin un truc vraiment. Et pareil, qui parle de ça, et là j'ai vu encore hier une bande-annonce avec Fabrice Eboué et Marina Foïs, pareil, où c'est un truc, ça reprend un peu délicatesse scène, où c'est un boucher qui tue un vegan par inadvertance, j'ai bien compris, qui commence à vendre sa viande, et en fait c'est bon. Donc, voilà. Donc voilà, camionneur qui écoute Rire et Chanson sans frein de sketch, et ben ouais, va voler, va voler. C'est, je vais pas dire des gros mots, c'est Ed Parisien Bobo là. En même temps, la gentrification et tout ça, c'est vraiment, c'est un délire. Hein. Enfin, c'est un délire, je trouve affreux, mais
ça existe quoi, c'est pas juste une lubie. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de trucs en ce moment. Genre le vieux panier à Marseille, qui a toujours été historiquement un quartier très très populaire, du coup qui dit populaire dit pauvre hein, de manière générale. Là ça fait quelques années, arrivage des bobos à fond, du coup éviction des personnes et des familles les plus pauvres, enfin bref le truc affreux quoi, pour en faire le truc touristique à bobos par excellence quoi. Ouais. Oh, cette musique là, trop bien là. Pareil, j'étais à Vice City, j'y suis dedans là. Depuis que j'ai compris comment fonctionnait l'imitateur de vitesse, je suis refait. J'ai compris que c'était pas juste. C'est comme sur les bagnoles quoi. En gros, t'as ton imitateur et tu peux monter ou descendre la vitesse à laquelle tu veux qu'il aille. Du coup, là, tu vois, tu passes le péage, tu mets imitateur 90, roulez jeunesse, on est propre. Putain, c'est vraiment un camion dégueulasse. Je sais pas de quelle date celui-là. Je dirais. Pas 94, c'est un bien un truc ça de début 90, ça, début des années 90 j'aurais dit. C'est les camions Dacia. D'ailleurs, est-ce que Dacia ils font des trucs de pro comme ça là? Ils font des trucs où ils font que du comment ça s'appelle là? Que du, et eh ben pourquoi je trouve pas le mot? Du particulier, voilà. Je sais pas du tout, peut-être. Hein. Oh, les oiseaux dans le ciel, c'est quand même incroyablement beau. Hein. C'est magnifique. Magnifique. Ce jeu est d'une beauté, c'est d'une surpuissance. J'ai testé du coup hier la démo de American Truck Simulator, qui est sorti en 2016 alors que Euro Truck est sorti en 2012, et je me suis dit quand même 4 ans il y a moyen de peaufiner le truc et que ça soit plus joli, et en fait non, c'est tout aussi dégueulasse, c'est moche. Là je suis quand même au taquet du maximum de tout, hein, en termes d'anti-aliasing et tout. Faut vraiment que je trouve des modes quoi, faut que je trouve des modes graphiques, ça dégueulasse. Ah, je vous laisse, j'ai le facteur qui arrive, à tout de suite. Je viens de me taper l'orteil contre le meuble, ça fait mal. Comme Montreuil dans le 93 passe petit à petit la deuxième ville avec le plus de Maliens après Bamako à une ville de Bobo. Bah ouais, bah c'est. Ouais. Putain, c'est vraiment affreux. Là, il y a le facteur qui vient d'arriver avec un colis du coup. Et. Bon, là ça va, j'ai juste mon t-shirt Mairie de Carcassonne, donc ça va bien. Mais. Mais moi, ce que j'aimerais bien là, je sais pas comment, mais j'aimerais bien essayer de choper. J'aimerais bien essayer de choper une perruque. Et du coup, j'imagine trop s'il me voit descendre avec une perruque et un truc. T'as de la chance qu'il livre chez toi. Ouais, ben ça dépend en fait des livreurs. Hein. Ça dépend des livreurs. Là, il a sonné. Il y a des fois, ils appellent. Et des fois ils s'en battent les couilles. Je crois le maxi, le top, c'est un livreur. En fait, sur mon téléphone, je filtre les numéros que je connais pas. Du coup, ça a tendance à partir sur la messagerie. En fait.
Et là, il y a un livreur. J'entends le camion descendre dans ma rue. Du coup, je commence à sortir. Et en fait, en même temps, il m'appelait. Il me laisse un message. Et il me dit bon, bah, vu que vous êtes pas chez vous, je vais le laisser au point relais. Le mec, il s'est arrêté. Hein. Enfin, il est descendu dans ma rue en camion. Et il s'est même pas arrêté. Il est pas sorti. Il s'est pas arrêté. Et en gros, il a fait. Il est passé. Et puis, il est reparti, quoi. C'est une impasse. Donc, il est venu dans la truc et il s'est barré. Et du coup, j'ai essayé de le rappeler, sauf que c'est impossible parce que c'est les numéros Amazon là, donc en fait, tu tombes sur une messagerie, c'est pas le numéro. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Et le truc, c'est qu'en plus, il me l'a mis à un point de relais, mais genre méga loin quoi. Et du coup, je suis pas allé chercher le colis et il est reparti, Amazon m'a remboursé. Voilà, donc c'est nul parce que du coup, ça fait tout ça pour rien. Mais c'est juste que comme le mec il est même pas sorti. Même pas sorti, rien. Il aurait pu juste sortir du camion, tu vois. Et il criait, il aurait dit Eh, vous êtes là? J'aurais répondu, j'aurais dit ouais, je suis là. Non, même pas. Ah, c'est quoi? C'est des champs là? Attends, il y a des champs. Voilà. Alors, je sais pas ce que c'est. Bruno, une dernière. On connaît désormais le dessin animé préféré de Kylian Mbappé. C'est quoi? Goldorak. Oh, ouais, non, c'était terrible. Tu t'es plaint auprès du SAV Amazon? D'accord. Bon, franchement, mine de rien, déjà que j'utilisais pas mal Amazon, là avec le confinement, bah, je l'ai quand même utilisé encore plus. Et c'est vrai qu'après, tu changes pas trop les habitudes. Et puis ouais, mais des fois tu comprends pas trop en fait. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment, vu qu'ils travaillent avec plusieurs, et c'est ce qui a marqué sur leur site, ils travaillent du coup avec plusieurs sociétés de livraison. En fait, tu reconnais Chronopost et tout ça, là c'est vraiment c'est de la merde. Ah voilà. Quand je revois le score, mon Dieu, je bande encore. Et quand je pense à mon tir au but, là, je ne bande plus. Pas non plus. Merci, Kylian. On va terminer avec la campagne présidentielle et ce coup de pouce inattendu pour la maire de Paris, Anne Hidalgo. Le chanteur Elton John lui a publiquement apporté son soutien. Découvrez le nouvel album d'Elton John, Anne Hidalgo. Les plus grands tubes de la star britannique en soutien à Anne Hidalgo. C'est beau. Ouais, ça dépend des livreurs, quoi. Ça dépend des livreurs, et puis il y en a qui sont pros et d'autres qui ne le sont pas. Hein. Enfin, qui sont pros, oui et non, parce que ça reste un boulot qui. Je peux comprendre que les mecs, des fois, ça leur casse les couilles. Mais bon, après, il y en a qui. Mais souvent, ils appellent, ça fait depuis pas super longtemps, ils appellent avant en fait, pour savoir si on est là. Ah, il est monté chez toi et tout. Ah, ça c'est cool. Moi je crois que le pire c'était une livraison d'Arty un jour. On achetait un lit. Et en fait c'est un lit, alors 180, mais en fait 180 c'est 2 x 90 avec un gros matelas 180$. Tu vois, donc vraiment le truc vraiment énorme. Et quand on l'avait commandé, tu vois, on s'est dit ouais, ça va être méga relou et tout, donc on met. Livraison et montage, tu vois, qu'on se prenne pas la tête, quoi. Et il pleuvait. Le mec, il se garde devant en merde. Et je lui dis, non, mais il y a le montage et tout. Il était tout seul. Il me dit, ah, oh, je suis tout seul, moi, il n'y a pas le montage. Hein. Il m'a tout livré en merde. C'était affreux. C'était affreux. Et voilà, et c'était juste. Et après, bon, je l'ai monté, mais du coup, en montant les trucs, il était emballé dans du plastique, j'ai foutu de l'eau partout. C'est affreux, quoi. Je me suis dit, ah ouais, super les mecs, quoi. Par contre, une fois, j'avais commandé, je crois que c'était la dernière télé qu'on avait commandé. Dernière télé, là par contre, il y avait marqué, enfin on avait dit montage, et puis quand ils sont arrivés, je dis non, mais laissez. Là par contre, c'est juste que, tu sais, c'est... Touchez pas, parce que je veux pas que vous mettiez des traces de doigts. Je suis un peu maniaque. Plainte au SAV, remboursement au geste commercial. Non, pour se tomber.
t'as le SAV. Tiens, regarde bien, écoute bien cette histoire de SAV. Je suis avec les petits, à mercredi. Je leur dis, allez, on va se faire livrer du McDo, tu vois. Ok, je sais, c'est pas bien et tout. Bon, ça passe par Deliveroo, que j'avais pas fait, tu vois. Parce que Deliveroo, bon, j'avais jamais essayé. Et je vois que les prix sont corrects, voire moins chers que sur Uber Eats. Bon, je dis, bon, on va tester, tu vois. Je teste Deliveroo. Je me fais livrer McDo. Il manque un Big Mac. Bon, bah tant pis, tu vois. Donc je dis, bah réclamation, il manque un Big Mac. Et Anthony, ouais, ils me disent, ouais, pas de problème, on vous fait un avoir. Bon, bah du coup, tu te dis, je suis baisé, faut que je refasse une commande la fois d'après. Donc, genre deux semaines après, je leur dis, bon, bah on refait une commande, mais on passe sur Deliveroo, j'ai un avoir de, je sais plus combien c'est, 4 ou 5 euros. Et là, je prends, du coup, pourquoi j'ai pris des desserts, 3 McFlurry, et bah il manquait 3 McFlurry. Donc là, il y en avait pour 10 balles. Et je me dis, c'est pas possible, si à chaque fois il me manque et qu'il me faut un truc, c'est une arnaque leur truc. Et là, j'essaie de faire réclamation. Je te jure, l'appli elle plante, impossible. Impossible, j'ai un message d'erreur. Et là, j'ai fait la connerie, je me suis déconnecté du truc. Impossible de me reconnecter sur l'application sur le téléphone. Je n'ai jamais compris comment ils ont réussi à faire le truc. Du coup, Deliveroo, ben voilà, j'ai une commande sur laquelle j'ai jamais pu faire la réclamation de 10 euros. Donc Deliveroo, plus jamais. Tu me diras Uber Eats, plus jamais non plus, mais bon, c'est voilà, juste pour dire. Réclamation de merde. Ouais, je sais, bah, ils te le recréditent, mais bon, le problème c'est qu'à chaque fois, j'en ai marre, quoi. Tu vois, j'ai pas envie de me faire recréditer. J'ai envie de qu'on me livre une commande complète. Alors, qu'est-ce que t'as dit, Darcy m'a fait un micro-poc sur mon frigo. Je me suis plaint, j'ai eu 100 euros offerts. Ça va. 100 euros offerts, ça va, franchement. Après, en plus, le frigo, c'est rarement le truc que tu revends. Donc, le poc, à part pour toi, t'as pas vraiment de. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'as des trucs que tu peux revendre, bon, c'est chiant l'époque parce que tu sais qu'à la revente tu vas y perdre. Mais quand c'est des trucs que tu revends pas, comme le frigo tu vas jusqu'au bout en général. Donc ça va quoi. C'était pas trop. Et là, je te fais l'amour comme un dieu de force pendant 5 minutes. Allez, bon, du coup, on écoute même pas Elise Moon, tu te rends compte? On a raté Elise Moon. C'est ce qu'elle me dit la petite. Droit dans les yeux, hein. Elle me dit pourquoi pas. La chance que ce soit son père qui l'a raccompagné, hein. Heureusement que j'ai une certaine morale, que j'ai une certaine éthique. Bon, ouais, je suis pas trop mal, hein, pour moi. Je les voyais en boîte, les petits branleurs. Hein. C'est la moitié du prix du frigo, j'ai pris un frigo bas de gamme, j'avais pas l'intention de revendre. Ouais, voilà, ouais. Alors, c'est quoi ce rôle de fête de l'entreprise? Fais-lui sortir ton aftershave. Ah oui, du coup, forcément. Oh, produit chimique. Non, je vais pas à Ajaccio parce qu'Ajaccio c'est la baisse. Parce qu'Ajaccio, une fois que t'es là-bas, et bah t'es bien dans la merde parce que tu prends que des missions longues quoi. Alors qu'un petit Montpellier-Lyon, on fait l'aller-retour. Du coup, j'ai pris une TV LG OLED chez eux en plus. Ah ouais, bah tu vois. Allez, on va prendre celle-là. Comme ça, on va rembourser le prêt pour la journée. Alors attends, où est-ce que c'est? J'ai entre remorque le prêt, elle est où ma remorque? C'est celle-là là? Oh, j'ai besoin de vacances là. Et partir au soleil là. Aller sur Dunkerque. Et je vais emmener ma fille. Oh oui, c'est bien, ça c'est une bonne idée. Et peut-être une copine à elle. Elise Moon à l'instant sur Rire et Chanson. On adore Elise Moon. On adore aussi la minute d'Elodie Pou qu'on va retrouver dans 5. T'as acheté un camion du coup, mais Moulpout, mais où étais-tu, cher ami? Évidemment que j'ai acheté un camion. Je me suis lancé dans ma propre entreprise. Ça y est, je suis là. C'est moi, c'est ma propre entreprise. FDP Univers Boisson, on est là. Avec 70% des. Et là, on enchaîne les contrats, mec, c'est parti. Là, mec, je suis le roi de la route. Oh là, mec. Mais regardez ça, vous avez vu comment je me suis mis quand même. Comme je suis au régalade là. Franchement, je suis refait. Et j'avais une anecdote, je voulais raconter un truc là. Qu'est-ce qu'on disait? La TV LG OLED. Ah ouais, non, mais attendez, je vous raconte un truc, je vous jure, c'est ouf. J'ai un pote, on l'appelle, une entreprise qui s'appelle un truc à la con. Hein. On l'appelle, on lui dit bonjour, on vous propose un truc, c'est je sais pas, une offre, je sais plus, mes couilles en ski. Et c'est genre 35 euros par mois, mais vous, grâce à ça, vous avez 1000 euros de comment ça s'appelle? 1000 euros de Smartbox et je sais plus quoi, un truc, une arnaque à la SFM, tu vois, un truc vraiment dégueulasse. Et lui,
Parce que des fois, je me dis, quand même, il est vraiment, il y a un truc. Il dit, ok. Il a dit ok. Je lui dis, je vais faire attention. Oh putain, merde, attends. Ouais, et du coup, mon pote me dit, il prend ok. Tu vois, il dit ok, 35 euros par mois, je prends. Bon. Écoutez bien la suite de l'histoire. La suite va vous étonner, comme on dit chez les youtubeurs. Et donc, il appelle et il dit, bon bah, et là par contre, direct, il dit, moi par contre, on m'a dit, j'ai droit à 1000 euros Smartbox, je veux mes 1000 euros Smartbox. Bon, il enchaîne, les gens, bon, ça prend un peu de temps et tout, mais il rappelle, résultat, il gagne 1000 euros, il a laissé 1000 euros de Smartbox. Et là, il avait pris l'abonnement pour, ça faisait même pas 3 mois, tu vois, donc c'était, allez, 100 balles, et il a 1000 euros de Smartbox déjà. Retour sur investissement, ROI, plutôt balèze. Bon, les Smartbox c'est limité, mais ça permet 1000 euros quand même, tu vois, tu peux faire des trucs un peu sympas. Et normalement, il avait promis aussi un truc de 1000 euros, je sais plus quoi, mais comme c'était Covid, confinement et que les activités sont fermées, ils ont dit, bah écoutez, vu qu'on peut pas faire ça, on vous offre une télé de 1000 balles, d'une valeur de 1000 balles. Et lui, il a dit, en plus, 10 000 euros Smartbox. Donc il a dit, bah évidemment. La télé vient pas, il appelle, la télé vient pas, il appelle, la télé vient pas, il appelle. Et là, c'est là où il a commencé à nous parler de ce truc-là. Et moi, je lui dis, mec, c'est un scam, c'est pas possible, tu vas jamais, pour 35 euros par mois, tu vas pas avoir, déjà, t'as 1000 euros Smartbox, c'est ouf, mais ils doivent avoir un deal, mais ta télé, jamais t'as 1000 euros, une télé de 1000 euros, c'est impossible. Et ben, 2 mois après, il a eu sa télé. Et il nous envoie la photo de la télé et tout, une télé OLED et tout. Et je me dis, ouais, attends, c'est pas possible, ils disent que ça vaut 1000 balles, mais ça vaut pas 1000 balles. Je google le prix et je vous jure, c'était une télé à 1000 balles. Une télé LG, OLED, 4K, machin, mes couilles. 1000 balles de télé. Il avait la télé chez lui. Et après, bah, il a appelé et il a arrêté l'abonnement parce qu'il y avait zéro obligation. Et du coup, ça lui a coûté, je crois, 6 ou 8 mois, donc on va dire 300 balles. Et il a eu 1000 euros de Smartbox et une télé de 1000 balles. Meilleur ROI. Merde, je suis fatigué. Incroyable quand même, non? Vous trouvez pas? Ouais, moi je trouve ça incroyable. Moi je lui dis quand même là, franchement, t'as eu le coup de... C'est incroyable ce coup de... Faut que je trouve un endroit où dormir. Ah bah y'en a un là, juste là. Je fais une petite sieste. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, tu me dis... je sais pas, là, tu parles en quoi? Tu parles en hiéroglyphe? OLED 55BX, je sais pas, c'est une 55 pouces, ouais, c'est une LG, ouais, et c'est une OLED, voilà, c'est tout ce que je sais, après, et ça vaut 1000 balles, en tout cas, j'ai googlé sur tous les trucs, et c'était pas 1000 balles sur ces discounts, hein. Bah sûrement, c'est peut-être celle-là, c'est pas 1000 euros sur ces discounts, c'était effectivement 1000 euros partout, quoi, et donc voilà, je dis, mais vraiment, le pire, c'est qu'il a fallu qu'on le relance parce que je disais, mais t'as annulé quand même, t'as essayé d'appeler pour annuler. Je dis, parce que ça se trouve, c'est un truc où ils vont jamais te laisser annuler, tu vois, tu vas devoir raquer à vie. Et en fait, il me dit, oh non, j'ai la flemme et tout. Je dis, mais appelle, putain. Et il a appelé, et ils ont annulé et ils ont arrêté les prélèvements. Incroyable, c'est un truc. Où est-ce que je peux dormir là? Il est marqué que je peux dormir. C'est où? C'est où je peux dormir là? Bah oui, je suis fatigué, mais je cherche un endroit où dormir, putain. C'est là? C'était qui cet abonnement? Je sais plus comment ça s'appelle, mais faut que je lui demande. Ouais, sur le côté du péage. Ah oui, juste là, après là. Allez. Putain, j'avais pas pensé à ça au sommeil. Par contre, j'ai pris la livraison, j'aurais pas dû. Le rire n'a qu'une seule radio. Rire et chanson. Vous écoutez Rire et chanson à 9h45. Oh, la minute de mais là après à Attendez. Laisse-moi me garer bien, cousin. Vous savez quoi? Tac, j'éteins le moteur et appuyez sur la touche suivante pour faire votre coupure. Okay. Oh là, incroyable. Incroyable quand même, non? Ah bien! Et là, je me réveille en panique. Ah merde! C'est de nuit, putain! Sors la vasine. Non, mais y'a personne là. J'ai fait rentrer personne. Putain, on en avait parlé avec avec Moulpout là. Il faudrait que je retrouve. Il me faut que j'aille mon moteur peut-être. Alors, cher Bruno et Lôme, c'est nous.
Je vous écris du fin fond de la cuisine où je me casse la nénette à préparer un repas alors que je sais très bien que, mes enfants et leurs conjoints trouveront une excuse pour ne pas venir dîner. Pourquoi les enfants sont-ils... J'avais lu un article à une époque, attends mes phares, sur l'aire d'autoroute de Montélimar et sur tous les trucs qu'il y avait et tout, et il faudrait que je retrouve un jour cet article. Il y avait tout un truc justement sur les gens qui bossaient sur l'aire de Montélimar et qui avaient une espèce de seconde vie quoi. Genre, il y avait une des prostituées qui était hyper connue et qui était toujours là pour... Enfin, c'était ouf. Il faudrait que je retrouve ça. C'était un magazine à l'époque qui s'appelait Le Tigre et que j'aimais beaucoup, qui faisait des reportages un peu en immersion dans différents endroits et j'aimais bien. C'était vraiment cool. Voilà. Je vais jouer un peu, je vais plus tard. Allez, ça marche. Bon jeu. Je sais pas si tu fais du Tarkov, mais si tu fais ça, ben, bon échappatoire. Et voilà, prends garde aux caves véhément. Moi, je vais continuer à écouter Rire et Chanson de nuit en espérant ne pas, pas m'endormir. Ouais. Ouais, ben oui, on avait parlé, c'est pour ça, sur l'autogrill. Non, pas en solo, ça me fait des crises cardiaques. Bon, mais bon jeu, alors je sais pas à quoi tu joues. Tu joues peut-être à... je sais pas. Léa Passion Cheval. Putain, cette chanson, ils l'ont pourri avec la... je sais plus quelle pub là, quand même. Parce que c'était bien, hein. Elle est pas morte la chanteuse d'ailleurs des Cranberries ? C'est Cranberries ça ? Ouais. Il me semble qu'elle est morte non ? Bon, j'ai une connerie. Putain, il manque Jimmy là. Et Jimmy il est où là ? Il me faut ses. Au bout, t'envoies un texto à Jimmy là qui vienne. J'ai besoin de son aide sur toutes ces... tous ces trivia là. Là il est quelle heure? Ah mais il est 2h35 du matin. Ah ouais, tu viens décaler quand t'es routier. T'es pas là pour Du coup je suis con parce que j'ai pas vu le temps qu'il me fallait pour à quelle heure je devais arriver. Là j'ai merdé hein. J'ai merdé de ouf. Ah, alors attendez. Une seconde, j'ai un appel, je reviens. Et voilà, de retour. Alors, c'est parti. Alors, où est-ce qu'on a été? En fait, je dis conneries, il est minuit, il est pas 2h35. Je vais arriver à 2h35. Il me reste 200 km. Valence-Lyon. Oh putain, Valence, on y est, c'est Valence, les amis. Qu'est-ce que je fais? J'ai un limitateur de vitesse. Pourquoi je fais ça? Alors, qu'est-ce qu'on a là comme sketch? Ah, nouvelle star du rire. Alors, on n'a pas déjà eu Alban Ivanov hier? C'est incroyable. Allez, c'est reparti. C'est parti pour 10 minutes de racisme, de misogynie et tout ça. Oh, on est bon. Ah, le
déjà, si on a deux, c'est un signe de richesse, tu vois. Tu sens que le mec est débrouillard. Hein, en général, il y en a qu'une et c'est pour les canettes. Bon. Salut Antoine, je Matt Damon, un nouvel star du rire. Ah non, mais Matt Damon, c'est fini, il est plus là. Attends. Matt Damon, il joue dans le film où il est à Marseille. Je l'ai pas vu encore d'ailleurs. Le ciné en ce moment. Donc il peut pas, il est à Marseille. Et viens écouter un peu des sketchs là, Albin Ivanov et tout là, la régalade. Regarde. Voilà. Voilà, allez on y va. Et ça fait rire, et ça fait rigoler la salle. Eh ben ouais. Alors attention, par contre, j'aime bien défendre aussi les gitans. Hein, parce que je trouve qu'on est un peu dur des fois avec eux. Ils ne savent pas ce qu'on dit non plus à la télé. Hein, alors je sais, je peux comprendre. C'est vrai que les gitans, eux, quand tu connais pas, t'as peur un peu. C'est vrai. Mais franchement, quand tu connais, bah tu sais pourquoi t'as peur. Voilà. Mais au moins tu sais. Régale. À cette époque-là, avec mon frère, on était petit, tu vois, on devait avoir 8 ans. Et un jour, il est dans le film Les Méchants, lui, ou pas, du coup, là, Ivanov? Il doit y être, non? Un mot de plus de 4 syllabes et je suis dans la merde. Putain, j'ai lu les critiques, c'est le ballon, costaud. Oulala. Ouais, mais bon, je m'adapte à moi-même. Hein. Le ballon, il atterrit chez les gitans. Il faut aller chercher le ballon. Tu laisses pas ton ballon tout seul comme ça. Mais le problème, c'est que là-dedans, tu sais comment tu rentres. Mais tu sais pas à quel âge tu vas ressortir, tu vois. Ah ouais? Ah bon, j'ai des gosses. Bon. Tu sais quoi? Donc dans ces moments-là, faut être technique. Hein, c'est la jugeote. Ah ouais, là, c'est comme faut penser Prison Break. Ah, tu sais que t'auras qu'une seule chance. Alors moi. Qu'est-ce que c'est rigolo, dis donc. J'ai la chance d'avoir un frère super intelligent et en plus qui a une paire de couilles grosses comme ça. Bah, c'est moi qui suis allé chercher le ballon. Bon, pas méchant, les gars, mais j'ai eu peur. Hein. MDR, MDR, les gitans. C'est ça. Ah non, mais attends, mais Antoine, tu viens nous voir là, tu viens là. Déjà, ça me fait plaisir que tu sois là, évidemment. Mais là, on est sur le stream du malaise. Hein. Attention, hein, on n'est pas là pour. On n'est pas là pour faire de la franche rigolade. Hein. On est là pour le malaise. Hein. On est sur le malaise des humoristes. Non, après, c'est pas vrai parce que j'ai commencé. Il y avait un sketch de Guillermo Guiz que j'aime beaucoup, donc ça m'a beaucoup fait rire. On a eu un Coluche, évidemment. De toute façon, il y a au moins un Coluche par matin. De toute façon, là, déjà, on est sur. En termes de ratio, il faut quand même le dire. Hein, sur, j'ai commencé hier. Hier, 2h, aujourd'hui, 2h. Sur cette même tranche de 2h, il y a un sketch de Ivanov, un sketch de Coluche. Donc, t'inquiète que ça. Tu vois. On est sur les. On est sur des classiques, hein. Et ouais, non, bah alors le gameplay, il faut dire ce qu'il est. Le gameplay, c'est éviter de se cracher alors que tout a envie de foncer dans un mur, tu vois. Écoute, Ivanov, moi j'ai envie de rouler sur des zébrures, d'exploser les gens, tu vois. Mais je dois résister à ça. Je dois me dire, non, t'as ta petite entreprise qui tourne, t'as ton super camion Renault des années 80, je crois. Franchement, il est. Voilà. Tiens. Donc. C'est mon premier camion, hein, Antoine. Hein. Là, il faut quand même le dire. Depuis, pour l'instant, je faisais que des missions. Salut Krell. Ouais, le retour de Cris et Chanson, c'est ça. Et donc, c'est mon premier camion. J'ai arrêté les missions rapides. Là, ça y est, j'avais un petit pactole de côté. Du coup, j'ai pu faire un prêt à la banque. Et je me suis acheté mon premier camion. Alors, attention, la gueule du camion, c'est quand même un camion. C'est un camion Dacia. Hein. Voilà, c'est très très. Allez hop, au ralenti, là, les cocos. Et voilà, et donc ça c'est quand même important. Et alors j'ai un garage, c'est une cage à poules. C'est l'équivalent d'une cage à poules, mais pour un camion. Une cage à camion. Tout petit, ridiculement petit. Mais bon, je me fais un petit peu de sous. Ça va? Franchement, je le vis bien. Bon, le prêt c'est quand même 2800 euros par jour, je crois, remboursé, ou 3000 euros. 3000. Donc ça tape, hein. Ça vaut pas le Camtar russe? Ah bah non, mais attends, oh. Semaine prochaine, promis, j'alterne. Promis, j'alterne. Je ferai un petit peu des deux. T'as envoyé. Merci Moulpout d'avoir envoyé un message à Jimmy. J'ai envie qu'il vienne, moi j'ai besoin de ces anecdotes là. Parce
qu'après je dis des trucs et je suis sûr que je dis merde, je tombe. Je suis sûr que je dis des trucs faux, donc j'ai besoin qu'il soit là pour me dire que si c'est juste ou pas. Et puis alors Antoine hier on a donc on a bêta testé du coup hein, Rire et Chanson. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à partir de 10h ils remettent des morceaux de la matinale de qui est de 7h à 10h. Et donc voilà, et du coup on a dit qu'on allait faire la même chose dans le travail, c'est-à-dire que tu fais 3 réunions de 7h à 10h, de 7h à 10h, de 9h à 8h à 10h, 7h à 10h. Tu fais 3 réunions et après tu les mets en boucle toute la journée. Le camion coûtait 125 000. Et ouais, ça coûte vite cher un camion. Un crédit à rembourser à la banque tous les jours, ce jeu va plaire à Moulpout. Ah bah c'est clairement un jeu de droite de toute façon. Allez, j'y vais. Consommation quand même, on en consomme plus de 5 kilos par an. Et vous avez déjà essayé de mettre des chocs à pique dans le café? Ouais, bah, c'est pas ça. C'est pas bon. Bah, c'est des pâtes. Bah, voilà, exactement. Mais c'est pas fait pour. Mais parce que moi, je mange des chocs à pique aussi. Et il s'étonne d'avoir perdu ses cheveux en mangeant des chocs à pique. Mais qui c'est qui parle là? C'est Oldelaf, non? Qu'est-ce que c'est pas drôle? Il y a pas, je crois qu'ils font un early access pour le nouveau spectacle d'Arnaud Ducré. J'ai pas quand c'est. J'avoue, save the date les amis, je vous dis. Est-ce que vous pensez que quand ils ont terminé leur show là, quand ils terminent la semaine, ils disent, eh bah dis donc, on a bien bossé quand même. Hein, vous croyez qu'ils disent ça ou pas? Hop 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 hop. Oh là 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 là. Alors ça les amis, ce n'est pas à faire dans les écoles de pilotage. Hein. Aïe 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 aïe. Ouais ouais ouais, désolé monsieur. Désolé monsieur dame, j'ai raté le virage. Oh là là, oh là là, c'est cata. Ils font passer Hanouna pour du déproche là, mais mec, mais Hanouna c'est le. Hanouna c'est. Cherche un truc. Hanouna c'est la chapelle Sixtine hein, TPMP par rapport à ça. Hein. C'est pas à faire dans les écoles tout court. Non, dans aucune cour d'école. D'accord? Vous m'entendez les enfants? Ne venez pas avec un semi-remorque dans les cours d'école. Parce que bah, ça prend toute la place de la cour de récré. Voilà, donc ne faites pas ça. Ne faites pas ça, après vous aurez plus de la place pour jouer à la marelle. Arrêtez un peu là. PMU, ils se sont quand même tapé une. Je pense comme ça là. PMU, bon, ils gagnaient beaucoup de pognon avec les chevaux. Mais il y avait vraiment une. Truc de tiercé, écarté, quinté plus. C'était vraiment une image de la merde en général. On est d'accord que le PMU, c'est vraiment le bar de. C'est rude, hein. On y rentre pas. Hein. C'est le bar où, en 2021, on fume encore à l'intérieur, tout ça, quoi. Et du coup, PMU, ils se sont permis de se refaire une belle santé avec l'ouverture des paris sportifs, notamment du foot. Et où là, d'un coup, bah, ça va toucher tout le monde. Et je pense que... Bon, il y a tous les nouveaux trucs, forcément. Mais je pense que le PMU, ils ont dû se frotter les mains. Hein. Et ils se les frottent encore. Hein. Et que les mains, hein, pour l'instant. Ils font sûrement, frottent sûrement autre chose, mais... voilà, ce serait que présumé quoi. Mais ouais, l'enfer aussi hein, les paris, hein. L'enfer. Du coup tu fais de la pub pour le PMU gratuitement, bah ouais, mais en fait ce que j'aimerais c'est avoir Rire et Chansons sans les pubs, et sans les rires et sans les chansons, mais c'est pas possible. Non, en vrai l'idée c'est quoi, c'est en fait je vais le streamer comme ça, c'est genre... Tu sais les vidéos de réaction là, on réagit au malaise, on réagit au... Mais avance, mais c'est pas possible, mais il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule lui, on est d'accord. Hein. Le mec s'arrête en plein milieu. Mais oui t'as raison, laisse-moi la place. Mais sans déconner. Là.
Ouais, non, l'idée c'est quoi? Ouais, c'est des streams de réaction quoi. On réagit aux pubs, on réagit aux émissions, on réagit à Rire et Chanson. C'est ça la belle vie. Picard, tu vois, on fait de la pub Picard. J'ai pas d'action chez Picard, hein. J'ai rien chez Picard. Faut que je monte un peu. Bonjour à tous, c'est la Bajon. Alors, c'est pas que j'ai que ça à faire parce que j'ai quand même un Olympia, hein, le 16 octobre à préparer. Mais Rire et Chanson, ils m'ont demandé de venir faire l'émission pour remonter l'audience. Alors, du coup, je vous donne rendez-vous tout à l'heure avec Sébastien Boucher et toute sa bande. Et on va rigoler. C'est ça, la Bajon? C'est quoi ça? C'est qui ça? Si je dis trop de conneries, bon, vous couperez. Ensemble audience, bienvenue 10h after morning du rire là qui démarre. Voilà, ah mais d'accord. Voilà, frein. Voilà les freins. Là je fais à la carrière. Dans le nouveau magazine Top Santé Formes et Fesses. J'ai même pas vu que ça descend. Vous l'avez acheté? Ouais. Et ben il disait de manger du poisson. Pourtant c'est un gras le poisson, ça pourrit vite. Et puis les gens quand ils sont devant la poissonnerie préfèrent la bifteck. Là, là on est dans le game là. Tiens, si on va par là, des hippopotamus de poisson, il n'y en a pas tellement. De toute façon, à l'hippopotamus, les gens, ils y vont pas pour la viande, hein, ils y vont pour les frites. Ah ben c'est normal, c'est à volonté. Alors ils y vont le samedi, puis ils se gavent pour la semaine. Alors qu'avec le poisson, il n'y a jamais de frites. Hein. Avec le poisson, c'est toujours un légume à la con, riz ou endive. Vous avez remarqué ça? Quand on prend poisson, on a une connerie avec. Une patate ou... En général, on regrette. Ouais, ça le fait à tout le monde. Ah, puis il y a plus d'ambiance dans un restaurant à viande, les gens sont plus gais. Dans les restaurants à poissons, il y a que des malades. Ils ont le teint blanc comme des filets de merlan. Mais attention, dans la viande, il y a du cholestérol. Dans le poisson, il y a du mazout. Ah, c'est pas grave ça, le mazout, c'est biodégradable. C'est Cousteau qui l'a dit, parce que lui, Cousteau, avec son équipe, il fait des expériences. Je sais. Quand il y a une marée noire, ils attachent une vache à l'arrière de la Calypso. Pour lui apprendre à nager? Non, pour voir si elle prend le mazout. Et alors? Ah bah non. Non. Non, ça glisse sur ses poils comme un canard. Deux mois après, elle est sauvée, elle revole. Tiens. L'autre jour, là... Pas compris, hein. L'équipe à Cousteau, ils avaient chopé un pingouin. Bon. Ils l'ont emmené en hélicoptère 3000 km plus loin dans une région bien chaude. Et après, ils ont regardé s'il pouvait rentrer chez lui tout seul. Le petit pingouin. Je l'ai vu, ça. Il lui avait mis un collier avec son nom dessus pour pouvoir le repérer dans la jungle. Alors, ils l'ont trouvé, le petit pingouino. Parce que c'était un petit pingouin, un pingouino. Ouais, un pingouino. Ouais, ouais, un pingouino. Seulement, il était mort d'un coup de soleil sur la tête. Vous avez oublié de lui mettre sa casquette? Il a eu trop chaud, le pingouino. Paf! 3000 km. Ah, ouais, ouais. Ah ben non. Oui, enfin, il a pas fait 3000 km dans la jungle. Il a fait 3000 km en hélico. Dans la jungle, il a tenu 300 mètres. 300 mètres. Le pinguino, dans la jungle, il tient au soleil 300 mètres. C'est grâce à Cousteau qu'on sait ça. Voilà. Et 3 mètres de plus, 300 mètres, le pinguino, dans pinguino, la jungle. Paf. Il avait chaud aux pattes. Oui. Et alors, il se demandait, le pinguino, pourquoi on l'avait choisi, lui. Là, nous avons déjà affaire à un gros pinguino. Ah oui. Commandant Cousteau. Oui. Pourquoi moi, commandant Cousteau? Ah. La ressemblance est étonnante. Pourquoi moi, commandant Cousteau? Nous parlez sommes... fort, j'entends haut. Nous sommes des millions. Pourquoi moi? Bon, j'aime pas les bêtes, barre-toi. Oh. Et puis maintenant, il me faut. Ok, alors, on va passer sur ce jeu. Qu'est-ce que, c'est quoi le mieux? Je. Mais ça vaut peut-être le coup, parce que là, quand même, j'avoue, la Suède et tout, là, ça me fait un peu rêver. Du coup, ce qui serait pas mal, c'est que je parte pas trop vers l'ouest de la France. Que j'aille chercher plutôt un truc vers Genève. Et je continue à monter, non? On fait ça? Là, t'as du vrai poulet à Ah, l'Angleterre, tout à. À la ferme, vous imaginez le délire? Qu'est-ce qu'on fait? On se vise quoi? On se vise plutôt la Hongrie, la Slovaquie, l'Italie, Royaume-Uni, Norvège, Danemark. Je propose qu'on essaie de monter un petit peu là. On essaie de chercher dans les Pays-Bas, Belgique, Allemagne. Moi, j'aimerais bien faire l'Allemagne. Faut éviter certains mélanges. Et Royaume-Uni, je sais. Non, et on va chercher. On va chercher. Donc on va aller à Genève. Seulement le soir, tu prends. On va aller à Genève.
ça doit devenir un réflexe. Et je sais pas où est ma remorque. Ils disent elle est prête. Matin, mais elle est où tu prête? Tu peux très bien tremper tes tartines de haché parmentier dans ton café au lait. Du moment qu'il est peu sucré. Seulement attention, à 11h, pas de patates. Une assiette de small des nouilles est à temps le midi. Ah bah moi, le midi, maintenant, je prends de la choucroute à le léger. Il me reste que les saucisses. Et pour maigrir, tu peux aussi utiliser les pommades aux plantes qui raffermissent les tissus. Bah moi, l'été sur la plage, je m'enduis le corps de Saint-Doux, ça c'est naturel. Ça gêne pas les autres, l'odeur de graisse? Penses-tu, je vais à la grande motte. Alors ça se mélange avec l'odeur des merguez. Il y en a qui vont à la grande motte. Ah bah oui. Mais on n'a rien contre la grande motte, hein. Non, non. Contre la petite non plus, du reste. Donc c'est marrant aussi, ça. Oui, oui, ben c'est une blague du... C'est une blague du commandant. Voilà, Cousteau. C'est sa dernière, oui. Et ce qu'il faut éviter le midi, c'est les viandes en sauce. Oh, c'est mauvais, ça. Dans une viande en sauce, faut supprimer la viande. Ouais, parce que la sauce, elle se dilue immédiatement. Elle coule mieux dans le sang. Et après, tu vas au sauna, t'as toutes tes sauces qui ressortent des bords de ta peau. Oui, je sais, je l'ai fait, ça, une fois. Ça m'en c'était tellement gras sous mes pieds que j'ai glissé puis que j'arrivais plus à me relever. J'étais comme un culbuto. Ben, c'était au club Vitagym. Oh, maigris bien en Vitagym. C'est sympa. Hein? Parce que... Oui, c'est bien. C'est sympa. Oui, c'est sympa, le club que... Vitagym. Parce qu'il y a un restaurant où on reprend les kilos qu'on a perdus. Sans déconner. Vraiment, je suis... Voilà, voilà, voilà. J'oublie à chaque fois que je suis en marche arrière. Oh oui. Et franchement, musicalement, c'est cheap, mais ça passe bien Rire et Chanson, en fait. En fait, dans Rire et Chanson, il devrait en vrai rire et laisser que chanson. Et ce serait une radio parfaite pour... pour les conducteurs de nuit comme moi, quoi. Vraiment. Les pays fascistes, Autriche, Pologne, Hongrie, ça te fera un parcours pittoresque. Hey, un petit parcours à thème. Alors là, par contre, je vais jamais intituler mon truc « On visite les pays fascistes, ça tourne mal ». Non, non, je vais pas faire ça. Non, je peux pas faire ça. Putain, là, je prends un peu trop la confiance, par contre. Ça s'appellerait Nostalgie. Ben ouais, mais alors, Nostalgie, j'avais quand même le sentiment que c'était beaucoup plus de chansons françaises, tu vois, un peu... En fait, Nostalgie, pour moi, c'est Julien Clerc, quoi, tu vois. Et du coup, c'est pas tout à fait pareil, tu vois, que de la vieille pop, entre guillemets, tu vois, des années 80. Bon, même avant. Mais bon, après, en fait, j'ai l'impression que Nostalgie, c'est les gens nostalgiques d'une époque, tu vois. C'est les gens qui disent, j'étais mieux avant, tu vois. C'est pas des gens qui écoutent Van Halen, tu vois. Enfin, je pense. Enfin, j'en sais rien, mais c'est le sentiment que j'ai. Après, j'écoute pas Nostalgie. Peut-être Chérie FM. Chérie FM avec un bon petit mix de vieux trucs et de trucs vieux. Et... je sais pas, peut-être. Tout ce pan de la radio que je connais pas, que je ne connais pas et que je n'ai pas envie de connaître, soyons honnêtes. Je n'ai pas du tout envie de connaître ces choses-là. Voilà, le stop, mec. Le stop, cousin. Putain, j'ai vraiment un problème avec les freins en général. Allez, c'est parti. Nirvana passe son nostalgie. Non, tu rigoles. Mais du coup, c'est leur duo avec Julien Clerc ou... Et ouais, et du coup, hier j'écoutais le Cozy Corner, donc podcast de Médoc et Mougouille. Et du coup, il parlait un petit peu de... Oh là là, qu'est-ce qui se passe par ici? C'est à moi de passer là? Regarde, ça passe. Et je me disais que ça faisait longtemps. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il va pas s'arrêter? Mais il est fou lui, oh! Et je me disais que ça faisait longtemps que j'avais pas écouté Nirvana. Là, évidemment, il va s'arrêter là. Voilà, c'est longtemps que j'avais pas écouté Nirvana. Et du coup, je pense que je vais me l'écouter me foutre dans la journée là.
Chérie FM, ce serait plutôt un truc pour Jimmy, Frédéric François, Herbert Léonard. Et... Ah bah tu vois, et bah, tu vois ce que tu dis, je pensais que c'était plus nostalgie quoi. C'était Mais après t'as un peu raison parce que là cet été j'ai fait IRM du genou. Et en fait pour le bruit ils te foutent un casque sur les oreilles. Et moi je me suis dit un casque anti-bruit tu vois, ou un casque où je peux choisir ma radio Apple Music, tu vois. Je me dis bah trop bien, tu refus. Non, c'est un casque avec Chérie FM. Sauf qu'évidemment, bah c'est le son déjà est de qualité médiocre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et puis en fait ça couvre surtout pas le bruit en fait. Donc du coup j'avais le Jimmy connaît, on partage ce genre de truc. Donc t'as le bruit de l'IRM qui fait le et en plus de ça tu vois t'as France Gall qui chante Résiste quoi. Et donc ça fait un mix dégueulasse. Voilà. C'est affreux en fait, ça fait partie des pires expériences. Alors c'est pas très long hein, mais c'est vraiment c'est. Parce que quand, le dernier IRM que j'avais fait en 2017, j'avais pas la musique. Du coup j'avais que le son. Et ben, je m'étais fait un titre des Daft Punk en fait avec le j'imaginais des trucs autour. Mais là une fois qu'on te fout du France Gall ou du Julien Clerc dessus, c'est mort quoi. Je voulais remercier tous ces gens qui m'ont écrit, ont envoyé une photo de leurs vacances sur internet. Charlotte Gainsbourg à partir d'une on a une chanson rigolote. Donc ça c'est une rediff la chanson, d'accord, c'est une rediff de ce qui a été fait déjà tout à l'heure. Et qui n'ont sans doute pas les moyens de partir en vacances pour n'avoir aucun paysage à photographier. C'est la valse de la dick pic. C'est parti. Préparez-vous. Vous n'êtes pas prêts. Vous êtes prêts ? Vous n'êtes pas prêts. Aujourd'hui 8h18, je reçois un message de Bertrand que je précise tout de suite. Je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Il a cru bon sans préambule de me partager une photo très intime et ridicule de son petit chapiteau. Je n'en ferai pas tout un cirque, mais quel étrange début de conversation. Croyait-il être atypique avec son pénis en érection ? Ah mais c'est vrai ! Ah mais je savais pas ! Ah bah tu vois ? Il n'y a pas que moi qui pense ça. Quoi. Moi, je reçois des pénis une blague. De toutes les couleurs. Je pourrais m'en faire des colliers de fleurs, des collections pour albums Panini, un trombinoscope, une anthologie. Bien sûr, parfois les actes valent mieux qu'un long discours. Mais si vous aviez du tact, vous diriez au moins bonjour. D'ailleurs, Bruno, à ce sujet, il faudrait que je parle hors antenne. Ne vous inquiétez pas, il vaut mieux une petite courageuse qu'une grosse fainéante. Mais c'est pas gênant. Mon Dieu. Ah, si au moins c'était original de pratiquer cet exercice. Mais on dirait un rite ancestral qui se transmet de père en fils. C'est beau là. Maintenant sur internet, c'est si simple de se sentir puissant en zoomant sur votre quéquette que vous prenez pour la bête du Gévaudan. Mais vous nous faites mal aux yeux avec vos clichés un peu flous de votre membre paresseux qui peine à tenir debout. C'est vrai qu'une armée de bites de toutes les tailles, eh bien ça peut faire peur. Et je vous épargne les détails, j'ai l'image mais pas l'odeur. Ne seriez-vous pas plus serein, montrez que vous en avez dans la caboche. Juste assez tout au moins pour la garder dans votre poche. Que se taise cette ritournelle de poutrelle. Oui que cesse cette farandole de demi-molle. Alors, bon, ça fait que deux jours que j'écoute Rire et Chanson, hein. Deux fois deux heures, c'est pas non plus. Mais il y a quand même un truc qui revient, c'est que, a priori, le mot beat doit revenir tout le temps. Enfin, c'est important de dire le mot beat. Voilà. Les rires sont enregistrés. Non, et je me dis que les gens doivent être vraiment épuisés, en fait. Voilà, je pense que les gens sont épuisés de faire semblant de rire, en fait. Que je me dis, c'est pas possible, tu peux pas faire semblant de rire comme ça à chaque blague. De 7h à 10h là. Oh mon Dieu, mais quel enfer. Ouais, ça va, j'ai coupé la ligne blanche. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est tout. Je suis où? Je suis pas déjà. Ah, 22 km, je suis bientôt là. Donc là, on arrive à Genève. On arrive à Genève. Magnifique. Superbe. Superbe, regardez ça. Superbe. C'est parking. C'est plus usine, ces oléoducs, sa végétation typique. Regardez ça.
Ah, regardez-moi, c'est beau ça. Oh là 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 là, bien. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Non, les rires sont pas enregistrés en fait, ah, je dis ça, mais non, hein. Ils sont drogués. Franchement, je pense, ouais. Moi, je pense que c'est rire nerveux. Et du coup, ma théorie, c'est qu'il commence même 3 heures avant, tu vois. Il commence 3 heures avant, donc très tôt. Donc déjà, il y a la fatigue. Il se raconte des blagues de la merde. De toute façon, ils disent bite. En gros, ils disent bite parce qu'ils le disent tout le temps. Donc bite, 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 bite. Et puis à un moment donné, il y en a un ou une qui craque, qui rigole, tu vois, nerveusement. Et après, c'est parti. Ah, c'est bon, on peut lancer l'émission. On est prêt, on lance l'émission. Terrible, terrible. C'est quand même. Ouais, allez, on y va. Ah, le jour se lève. C'est beau quand même, hein, quand le jour se lève. Une guerre d'usure, Krell. Mais tu as raison, c'est exactement ça. C'est une guerre de... Ouais, c'est une guerre d'usure, c'est ça. Y a pas d'autre mot, c'est le mot... C'est exactement ça. Ouais, je me suis traîné un peu trop. Ok, mes petits Suisses. On y va, mes petits Suisses. On va aller livrer le camtar. Livrer. Hop, c'est ici. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. C'était moi une, hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Et bienvenue sur le plateau de 30 millions d'amis. 30 millions d'amis. Oh, Danny Boone. C'est Danny Boone, non? Si. C'est les vieux qu'on a ce soir, là, ou quoi? Ah non, c'est pas Danny Boone, c'est qui ça? J'ai plus de pêche, c'est pour les vieux. Alors les vieux regardent la télé et disent, mais alors ils sont tous vieux dehors. Cruauté. On reprend. S'il y a des femmes qui veulent se jeter sur moi, elles peuvent y aller. C'est qui? Qui c'est qui fait ça? Mais je ferai un tri, hein. Le premier rang, vous restez assise. Pourquoi j'ai eu que dalle d'XP? Ah, c'était une petite mission. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur le plateau 30 millions de mamies. 30 millions de mamies. L'émission des amis de là. Merci. C'est qui ça? 30 millions de mamies un peu particulier et ce grâce à votre nombreux courrier. Il nous faut Jimmy, hein. La lettre de madame Rolande qui m'écrit de la cité des viols furtifs à Bourg-en-Bresse. Non, pas Dupontel. Non, Dupontel, il ferait pas ça, si. Mamie a décidé d'aller toute seule chercher ses allocations. Non. Au retour, s'étant trompée de chemin, elle demanda sa route à quelques jeunes employés de réinsertion. En fait, c'est affreux, mais je peux regarder. Les obsèques auront lieu demain. Ah bah si, c'est Dupontel, tu vois. 30 millions de mamies. Putain, tu vois, j'ai pas reconnu sa voix, c'est ouf. 30 millions de mamies se devaient ce soir de réagir. Alors, attends. Tout de suite, quelques conseils d'autodéfense pour nos amis les mamies. Je fais l'agresseur, c'est toujours moi. Début de l'agression. Hé la vieille, t'es alloc. C'était moi. Tout de suite, le cri qui va aider la mamie. Inspiration profonde en faisant monter le diaphragme. Os, 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 os. Le cri tout entier. Attends. Je fasse un truc là. Bien fait, ça peut vriller les tympans. Mais l'agresseur peut être comme l'agressé, c'est-à-dire sourd. Ouais, tu vas voir, regarde ce que je vais faire. Mais qu'est-ce que tu racontes, la vieille? C'est encore moi. L'agression démarre. Je propose une solution beaucoup plus radicale, beaucoup plus... Ah non, c'est pas ça que je veux. Je propose lancer du pied droit. Putain, c'est pas ça, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, c'est pas ça. Alors les prothèses, on y va doucement. Lancer du pied droit. Oh, si ça se détache, ah, c'est on ça. La cherche au lendemain. Lancer le pied droit, pivot rotatif, jambe gauche. Vous lancez la jambe gauche en avant,
La jambe droite, de plus en plus vite, et vous partez en courant. Voilà. On va faire ça. Voilà. Mais l'agresseur peut connaître la parade. Ou tout simplement être... Voilà. Ou c'est que comme ça, la vieille âge. Voilà. Comme ça, on a le... Hein ? On est bien, non ? L'agression est partie, c'est l'angoisse. À cet âge-là, qui dit angoisse, dit incontinence. Servez-vous-en ! Je propose. Pivot rotatif, bras gauche. Ah merde, par contre, ça triche un peu, là. Ça dit la suite. Hop, vous placez entre les jambes et hop, vous vous laissez aller sur le sac. Pas élégant, mais efficace. Vos économies sont mouillées, il peut plus les toucher. Par contre, s'il peut pas les toucher, il peut vous toucher, vous, la vieille. Bon, je vais toucher, la vieille. C'est encore mal. Cette fois-ci, l'agression est partie. Il faut dégoûter l'agresseur. Je propose pivot rotatif des rouges. Crochet bras droit, bras gauche. Pivot rotatif des rouges. Non mais regarde, t'as vu ce que j'ai fait? J'ai mis le petit encart pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Les fauteuils roulants, vous bloquez la main droite, vous tirez à la main gauche. Putain, je me fais encore avoir, j'ai pas encore la même connerie. La main gauche crochette la nuque de l'agresseur et vous lui roulez une pelle. Donc là, on va avoir l'appel trop con. Voilà. Donc le truc affreux qu'on déteste, les canulars, ça va enchaîner après. Si vous tombez sur un pervers, bonne chance. Avant de nous séparer, notre courrier spécial adoption. Cette semaine, Madeleine. Madeleine a 84 ans. Oula, 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 oula. Jusqu'où ira-t-elle? Madeleine aime grimper aux arbres, elle aime le tennis, elle aime le rugby. Mais quelque chose me dit que Madeleine est joueuse. Alors on pense à Madeleine, surtout si on a un jardin. Et maintenant Edmé. Edmé a 103 ans, alors on se dépêche de l'adopter. Edmé est vacciné, Edmé est tatoué. Edmé est à l'hospice, tout est fini, c'est dans la sang. La semaine prochaine, nous verrons les dangers de la grossesse après la ménopause. Oh. Et à vous tous, je vous dis bonsoir. Anne Baird Dupontel à l'instant avec Rire et Chanson pour vous accueillir. Alors, vendredi matin avec Rire et Chanson. Dans un instant, on aura qui? On aura Elodie Pou, elle répond tous les vendredis à vos nombreuses questions. Ah là là. On reçoit des questions. Ah, c'était pas mal, hein? C'était pas mal, Dupontel. Dès qu'il part en Suisse, il part vite en Suisse, quand même. Pour se tenir au il part vite en Suissette, Dupontel, moi j'aime bien. On aura aussi Anthony Cavana et puis là dans quelques instants. Non, c'est pas possible, tu te fous de ma gueule, Martin, tu te fous de ma gueule, tu te fous de ma gueule. Bah oui, infraction de feu, bah oui, mais regarde ce qu'il fait lui. Tu l'as vu lui? Alors le gaz a augmenté de 12,6% ce 1er octobre. 12,6%, mais c'est un truc de malade. À un moment, ça va être un produit de luxe, le gaz. Ça a forcément inspiré Martin. Eh bien, chez le traiteur. Oui. On va vous passer au gaz alternatif pour éviter la hausse du. Ah non, je l'ai entendu celle-là. Ouais, moi aussi, j'adore du Dupontel. Pareil. Puis même, je le connais pas, mais je pense que même en termes de personnes, ça a l'air d'être quelqu'un. Voilà, à apprécier, quoi, tu vois. Pas que en tant qu'humoriste ou acteur ou réalisateur. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah merde, je me suis trompé, j'ai pas pu. Des clignots, j'ai mis point mort. Avec l'appel trop con, ce sera 10h30. Lundi soir, Rire et Chanson vous invite. Une heure de spectacle intégral, en live, sans interruption. Prochain rendez-vous, ce lundi à 20h. Oh, con. En intégralité, Je suis votre idole, l'un des spectacles cultes de Sylvie Joly. Ah non, mais tu... Ah d'accord, ok. Alors ça, par contre, je comprends pas les IA. Elle te laisse passer là. Tu leur coupes la route, elle te laisse passer. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Carrefour, vos envies sont nos promos. Vous êtes 224 à nous avoir demandé des promos sur les jeux vidéo. Alors pour vous, qui avez attendu avec impatience...
annonce la sortie du jeu FIFA 22. Il est en ah ouais, FIFA 22, j'attendais que ça. Pour sa sortie nationale, le wow. jeu FIFA 22 sur PS5 est au prix exceptionnel de 60,49€ seulement chez Carrefour, Carrefour Market. 60€ pour FIFA annuel, franchement. C'est ça. Oh là là. Moi de toutes les envies des gamers, Carrefour. Détail magasin participant sur carrefour.fr. Conforama, le confort pour tous. C'est l'opération. En plus, je suis mauvaise langue parce que j'aime bien FIFA, mais honnêtement, j'ai testé là vite fait. J'ai testé le 22 grâce au Game Pass il y a 10 heures de test. J'ai même pas fait un match en entier, je l'ai trouvé nul à Yesh. Parce qu'ils ont foutu, mais c'est le jeu est pas du tout agréable à jouer. On s'engage à ce que vous ne trouviez pas moins cher ailleurs. Et autant vous dire que comme PES a arrêté les jeux de foot, Konami a arrêté, ils font un free to play, mais du coup ils arrêtent. FIFA, ils sont tout seuls. C'est la voix de Cartman qui fait les annonces. Ah oui, oui, bah à mon avis, c'est la voix de Cartman qui fait plein de trucs. Mais qu'est-ce que tu fais là-haut ? J'ai pris un peu de hauteur par rapport à ma carrière. Je suis devenu technicien de toiture chez Attila, spécialiste de l'entretien et de la réparation des toitures en France. Ils ont 200 postes à pourvoir. Tu devrais regarder. Vous aussi, bénéficiez d'une formation au métier de la toiture et rejoignez l'équipe Attila sur Attila.fr. Bah, Attila, je les avais contactés une fois. Bah, ils coûtent très très cher en devis et puis pas tant des experts que ça, je vous dis. Moi, je vous dis, les amis. Hein. Écoutez quelqu'un qui sait. Hein. Ah là, vous voyez à droite là, c'est le. C'est chemin de fer. C'est les fameux trains suisses. Voilà. Oh, regardez! Regardez! Un TGV dans son univers naturel. Incroyable. Oh, putain. Regardez comme c'est beau. Oh là 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 là, moi ça m'émeut ce genre de truc. Hein. Tu vois? Tu vois, Moulpout, c'est quand on disait les chiottes dans les chiottes dans les jeux vidéo, ben c'est pareil, tu mets des trains, tu vois, et là d'un coup c'est. Oh, je m'y crois, c'est réaliste. Tiens, par contre, je vais avoir besoin de me reposer bientôt là. Je suis au bout de la fatigue là. Ça fait 48 heures que je roule. J'ai fait une petite sieste, j'avoue que je suis un peu crevé quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce truc pour dire buvez de la soupe, vous serez grand. On a fini de raconter des salades là. TGV migre pour la saison. Il va vers le sud, regardez, il va vers le soleil. Là où c'est. Merde, comment ça s'appelle? Là où ses moteurs pourront s'arrêter pour surchauffe et avoir un repos bien mérité pendant cet été où voyageurs et voyageuses partiront sur les routes vers la grande monte. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Bienvenue au cuisinier. Là, un accident dans un tunnel, ça foutrait la merde, hein, on est d'accord. Ça fout la merde. Et à vous qui avez plus d'une recette en tête pour que vos invités dévorent leurs assiettes. En ce moment. Ouais, Moulpout, je sais pas si t'entendais au début ce que je disais, mais l'application Nvidia Broadcast qui me permet de mettre le fond customisé, tout ça, là, elle marche plus du tout. J'ai essayé de la réinstaller, ça marche pas. Et je me demande si c'est pas ça qui m'a fait crasher le jeu hier, en fait. J'ai l'impression que c'est pas. Et, je sais pas, ça part en sucette. C'est le seul truc qui remarche pas depuis hier, donc. Voilà. Alors, on voit pas le lien, mais. Bon, j'ai quand même fait une clean install de Tarkov et j'ai pas vérifié si tout était là, mais je pense que c'est lié à mon compte, sinon t'imagines. C'était en local le truc. Oh, l'enfer. Ceci est un message de l'établissement français du sang. Le sang. Un produit qui sauve des vies. Le sang. Vous aidez chaque année 1 million de malades. Pourtant aujourd'hui, nos réserves sont faibles. Nous avons besoin de vous. Le sang. Partagez votre pouvoir. Donnez votre sang. Quand on dit c'est le sang pour dire c'est mon frère de cœur, c'est ça. Trouvez ou donnez sur le site. Ah, Moulpout, c'est le sang. C'est du sang. C'est l'alerte dispense des taux. Aujourd'hui, les listes à cacher de 100 grammes sont à seulement 4,99€. 4,99€. T'en as pris plein, j'espère. Bah oui, et à ce prix-là, on va goûter toutes les cuissons. Alors, si vous cherchez un test. Non, je faisais pas de capture de Tarkov, mais l'appli, tu sais, c'est un tout petit truc, du coup, il tournait. Et j'avais pas éteint la caméra qui fait webcam, donc je pense qu'il continue à processer le fond pour. Tu vois, il le fait automatiquement quoi.
pas compris la blague. Et il voit un gars qui est au bar, qui est assis à côté d'un chien. Et le gars, il s'approche, il le regarde, il dit et il mord votre chien? Non, il mord pas mon chien. Ah bon, il le caresse. Ah, je la connais. Vous m'avez dit qu'il mordait pas votre chien. Il dit ah ouais, mais c'est pas mon chien. Ah. Trouvez d'autres blagues en même stock sur la radio digitale Rire et Chanson Blague. Disponible gratuitement sur smartphone, tablette et sur rireetchanson.fr. Et le rire est déjà de retour. Bonjour, bienvenue, 10h30 vendredi. L'appel trompon de Rire et Chanson. Ah, la nouveauté du jour donc, 12,6% d'augmentation du gaz en France. Ah non, je déteste ça, canular là, c'est affreux. Le gaz alternatif, ouais, c'est vrai, pourquoi on n'y a pas pensé avant ça? Putain, mais j'ai toujours mes phares allumés. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, monsieur Martin, société Martin Plomberie. Oui. Je suis bien chez le traiteur. Oui. On va vous passer au gaz alternatif pour éviter la hausse du prix du gaz. On peut intervenir quand? Ben nous, on est fermé le lundi. Ok, donc je note qu'on fait ça lundi prochain. Ouais, bah moi, y'a pas de soucis. Et on devrait terminer le lundi suivant, donc ça fait... Une semaine? Ah bah oui, c'est ça. Oh, une semaine de travaux. Vous avez quoi comme matériel? En gaz? Ouais. Comment qu'on appelle ça? Il y a deux marmites de cuisson. Alors, deux marmites de cuisson. Et après, c'est deux brûleurs à gaz. Plus deux brûleurs à gaz. Ok, bah on va vous les remplacer. Bah ouais, mais tout ça, c'est au frais de qui, sauf qui c'est qui paye tout ça? Ah, c'est vous. C'est qui? Bah c'est vous. C'est moi. Je commande rien du tout, moi. Ah si, vous venez de me commander deux brûleurs et deux marmiteurs. Ouais, bah, ah, on est à Berne, magnifique. Ah oui, dans ce cas, passez-moi la personne compétifiante, s'il vous plaît. Eh ben, on va voir ça tout de suite, vous allez voir. Merci, monsieur. Berne, magnifique, superbe architecture. Ouais, qu'est-ce qui se passe, là? Oui, allô? Oui, bonjour. Ah, mais il n'y a rien qui change ici, monsieur. Le gaz, il reste comme ça. Voilà, là, vous avez le directeur. Oui, alors, bonjour, madame. Putain, c'est malaisant la première fois que j'entends ça et c'est encore plus malaisant la deuxième fois, je crois. C'est tout nouveau, c'est rapport à la hausse du prix de 12%. Ouais, bah je m'en fous, je paierai les factures. Bon, y'a rien qui change. Alors, plus précisément, le prix de la facture ne changera pas. En revanche, le gaz se coupera 6 minutes toutes les 24 minutes. Mais comment ça va se couper toutes les 24 minutes? Alors pour la chaudière, comment ça marche? Ah, y'a une chaudière aussi. Attendez, je rajoute sur la liste du matériel. Mais quel matériel? Putain, mais faut pas. Je parle de commande avec les marmitateurs et les brûlisseurs. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qui a commandé quoi? Avant vous, j'étais avec le patron qui m'a passé. Mais le patron, c'est moi au téléphone. Non, le monsieur que j'ai eu avant vous. Ma femme? Oui, sûrement, oui. Et bah ce monsieur, la femme, il m'a passé la commande. Elle a rien commandé du tout, elle a rien du tout. C'est moi l'employeur. Mais justement, si vous êtes que. J'adore, elle a rien commandé du tout, elle est rien du tout. C'est moi le patron. Alors, pardon, mais l'employeur, c'est celui qui travaille pour un patron. Non, mais un employeur, c'est quelqu'un qui paye son employé. Bah, du mal, toi. Bah, employeur, employé, oui, c'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. Ah non, tu te fous de ma gueule, j'étais lancé là-haut. C'est moi le patron, je vous dis depuis tout à l'heure. Oh, et bah, dites-le si vous êtes le patron, tu vois, c'est ma faute. Bah, ouais, c'est de votre faute, ça fait 20 fois que je suis en train de vous dire que c'est moi le patron. Bon, bah, vu que l'autre patron m'a commandé pour vous, effectivement. Bah, y'a pas d'autre patron, puisque c'est moi l'employeur, c'est moi le patron. Ouh là là, c'est pas clair votre truc. Hein. Non, mais vous, bon, ça me casse les couilles, ça va être français, d'accord. Bon, vous serez là cet après-midi? Non, je ne suis pas là, monsieur, après-midi. C'est pas grave, sortez de nouveaux appareils sur le trottoir, on les embarquera. Non, mais toi, je te dis que j'ai rien commandé, d'accord? Et que je vais pas changer mes marmites de cuisson. Ah oui, mais alors après, faut c'est malaisant quand même ces trucs, hein. Compatible au gaz alternatif. Non, mais toi, t'as du mal, t'as compris ce que je t'ai dit? Alors, ça dépend parce que c'est qui? C'est le patron ou c'est ouais, c'est full gênant ce mec. Mais moi, sinon, s'il n'y a pas le patron, passez-moi le responsable. Et c'est quoi tout ça? Ah, lui, il a du mal. Il a du mal, mais il vous entend parce que vous avez mal à raccrocher. Le fameux téléphone pas raccroché, mec. Je déteste ça. Sur Rire et Chanson. Toutes les stars du rire sont sur Rire et Chanson. Avec Anthony Cavana dans cet after MDR jusqu'à... Ah, voilà. Et donc, on a compris le concept, c'est qu'il faut un after Morning du rire. C'est-à-dire que... Ils font une émission et après ils font un after. Comment vous faites? Incroyable. Il y a des trucs, il y a des ficelles, c'est comme en magie. Un humoriste, c'est quoi? C'est un mec riche qui fait rire des pauvres. Attention, ça c'est quand ça marche. Hein. Sinon, t'es juste le mec relou au bureau. Hé, Michel, tire sur mon doigt! On a tous été un Michel une fois dans notre vie. Tous. Donc il faut avoir le sens de l'humour. Et l'humour se divise en trois catégories. La dérision, l'autodérision et le second degré. La dérision, c'est quoi? La dérision, c'est dire quelque chose à quelqu'un que tu ne penses pas vraiment. Comme, mademoiselle, vous êtes très très belle. Et... Voilà, je suis d'accord. Mais non, je rigole, mademoiselle, vous êtes là. Et il y a l'autodérision. L'autodérision, c'est se moquer soi-même. C'est comme je suis rentré tout à l'heure, mademoiselle qui m'a regardé, qui a fait... Je te l'avais dit qu'il était drôle, Corneille. Et il y a le second degré. Le second degré,
une seconderie, c'est une option. Hein. C'est pas tout le monde qui l'a. C'est comme le bon goût, hein, n'est-ce pas, monsieur? C'est pas tout le monde qui l'a. C'est une façon de ne pas interpréter les choses telles qu'elles sont présentées, telles qu'elles sont dites. C'est une forme d'ironie. Hein, je vais vous donner un exemple. Il y a un mec qui m'a raconté une vanne qui exprime bien ça. C'est Barack Obama, David Cameron et des invités qui sont à la Maison Blanche. Il y a un des invités qui dit au président: excusez-moi, monsieur le président, mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Le président répond: eh bien, nous planifions la Troisième Guerre mondiale. Ah bon? Et elle sera comment? Eh bien, nous allons tuer 4 millions de musulmans et un dentiste. Ah, un dentiste? Mais comment ça? Et là, David Cameron explose de rire. Elle avait dit Barack, tout le monde s'en fout des musulmans. Ouais, j'ai fait la même en utilisant des juifs et elle a moins bien marché. Bon, c'est dégueulasse ce que je viens de dire, hein. C'est dégueulasse, pourtant c'est ça le second degré. On va voir si vous avez compris la différence entre la dérision, l'autodérision et le second degré. Monsieur, si je dis, il est sympathique l'autre, Anthony Bamboula, l'ami chocolat. Ça, c'est du racisme, putain. On est en 2016, c'est intolérable, c'est inacceptable. J'adore monsieur qui chie dans son froc. Non, j'ai dit rigoler, arrêtez, j'ai dit rigoler. Vous avez raison, c'est du second degré, effectivement. Alors, je vais vous donner la liste des trucs indispensables qu'il faut faire pour faire un bon one-man show. Premièrement, quand les humoristes arrivent sur scène, le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils demandent toujours au public comment il va. Ça va? En vrai, on s'en branle. Alors, donc, demander comment va le public, check. Hein, ça c'est fait. Être méchant avec le public, check. En fait, vous savez ce que ça veut dire check, hein? Je vais pas vous faire un chèque. Je sais qu'à Paris, on parle pas très bien anglais, ni aucune autre langue d'ailleurs. Hein? Donc, vérifier que le public est bilingue, check. Fucking people of Paris. Non, je rigole. J'ai passé un tiers de ma vie à Paris. À chaque fois que je joue à Paris, comme ce soir, on me donne toujours un maximum d'amour et d'énergie. J'ai été adopté et ça fait partie des plus beaux souvenirs de ma vie d'artiste. Donc, merci. Créer un faux moment d'émotion, check. Il a été méchant ou quand il a menti, il faut tout de suite désamorcer avec un truc sympa, un petit geste. Je sais pas, comme aller rouler une pelle à un mec qui est assis devant. Qu'est-ce qu'on a comme client ce soir? Je vois qu'on est plus Georges Brassens que Georges Clooney. Hein? On est... Ça va être vous, monsieur, parce qu'avec cette chemise-là, vous pouvez pas être hétéro. Si vous êtes hétéro, vous allez dire, ce soir, je vais voir Cavana, je vais mettre ma chemise de PD. D'accord. Faire une vanne sur les fringues, check. Faire une vanne de BD, check. Se trouver une tête de turc pour le spectacle, check. Je vois qu'il n'y a aucune solidarité chez les mecs. Il n'y a aucune solidarité. J'ai un monsieur qui souriait. J'aime bien votre tête, monsieur. Filer la gastro à un mec du public. Elle est très longue, cette liste de trucs importants, indispensables qu'il faut faire dans tout bon one-man show. Il faut faire un mauvais jeu de mots, il faut faire un sketch politique, il faut faire un sketch sur les hommes et les femmes, jouer au Bill Bokeh avec sa bite. Elle est très longue. Ah voilà, on a eu le point bite. Gratuitement. Check. Voilà. Qu'est-ce que je suis content d'être à Paris, d'avoir quitté la grisaille de la tournée pour le soleil de Paris. Hein, ça fait du bien d'être avec des gens qu'on le wifi, qui se lavent, qui ont la 4G, des dents. Ça fait du bien avec des gens civilisés. Ça fait du bien avec des gens civilisés. Parce que ici, c'est... Faire semblant d'aimer Paris, cette ville grise et dégueulasse, remplie de connards, check. Il s'en est passé plein de choses dans ma vie dernièrement. Je vais être papa pour la deuxième fois dans 2 mois. Donc je suis assez content. Ma femme est finalement devenue sensée. Donc ça aussi, c'est cool. Attention, elle n'est pas devenue sensée. Hein. Elle est devenue sensée. Voilà. La poitrine, réfléchissez. Quand même, réfléchissez, une femme sensée, n'importe quoi. Faire crier où les fans du public, check. Mais le plus important dans tout bon one-man show, écoutez-moi bien parce que je ne le répéterai pas. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de one-man show. Le plus important dans tout bon one-man show, c'est la surprise. Très important. Check la surprise. On applaudit l'équipe technique. Ils ont été très forts. Ils ont très
performants, ils sont toujours dans l'ombre. C'est toujours l'artiste qui est dans la lumière. Donc, toujours très important de remercier le petit personnel alcoolique. Parce qu'il y a un cœur derrière ce bidon de whisky. Vous savez, pour moi, le sens de l'humour, c'est le sens primordial. Parce que c'est lui qui nous sépare des animaux. Parce qu'il faut de, il faut de l'intelligence pour saisir l'ironie. Hein. Et comme disait Sacha Guitry, vous le connaissez pas, c'est un chanteur de zouk. Il disait celui qui ne supporte pas la plaisanterie tolère mal la réflexion. Et j'ai lu quelque part que quand il te manque un sens, les autres sont vachement plus développés. Exemple, si t'es aveugle, mais t'entends vachement mieux que les autres. Et si t'as pas le sens de l'humour, t'es vachement elle était pas terrible celle-là. Autant les trucs sont rigolos, là, il y a des moments. C'est plus ou moins drôle, ouais. Alors, attends, les essuie-glaces, yes, lettre P, merveilleux, wouhou, allez, jusqu'à Dijon, ce sera le dernier trajet, hein, les amis, je pense qu'après, je vais arrêter, hop, petit 80, petit virage violent, hop, on freine quand même, hop, histoire de, oh là là, wouhou, on est passé, ric-rac, franchement, c'est abusé, le virage était violent, personne, c'est bon, je me rabats, hop. Ouais. Non, mais écoute, il y avait des trucs rigolos, là, dans le sketch d'Anthony Cavana. Pas tout, mais il y avait des trucs rigolos, voilà. Après, je sais pas, il date ou date pas, j'en sais rien. Je pense qu'il date, à ce sketch, non ? Je sais pas. Vous en pensez quoi ? Bon, là, on va ralentir, parce que franchement, je me suis bien fait avoir le coup d'avant. Hop, là, voilà. Par contre, je pense qu'on va se faire que des routes pourries, là. Ah oui, il faudrait que je dorme aussi, là. Vous pensez que je peux créer un accident si jamais je dors pas assez? Là, mon petit bonhomme, il est dans le rouge, là. Ah, puis alors, en plus, si je vire le GPS du jeu, j'ai pas de GPS dans le camion, donc en fait, je me débrouille, quoi. C'est genre affreux, quoi. Oui, je suis fatigué, bah oui. Oh putain, ça fait un voile noir, ok. Ah, mais là, les amis, il n'y a pas du tout de quoi se reposer, hein. Si je trouve une aire, pourquoi pas, mais alors là... Voilà, vous croyez que je vais mourir? Je vais mourir d'un accident dans les routes de montagne? Mais c'est sûr, je vais mourir. Je vais me prendre un terre-plein central, ça va pas rigoler, hein. Oh là là. Je vais me foutre dans les champs. Au prochain virage, si je vois pas de truc qui arrive. Je sais pas si je peux me foutre dans les champs pour dormir. On va essayer. Le moteur et dodo à l'arrache complet. Hop là, allez. Regardez, c'est quoi ça? C'est des moutons? Ah non, c'est des grands arbres. Merde, je crois que c'était des moutons. Là, je suis déçu, je crois que c'était des moutons. Non, là, je peux pas me mettre. Oui, je suis fatigué, je sais que je suis fatigué. Et je fais quoi là? Tu crois que j'essaie de faire quoi? Arrête le jeu de me dire que je suis fatigué, je le sais. Est-ce que je peux m'arrêter là? Non, c'est... Ouais, non, ça va pas l'air très bien. On va quoi que aller. Est-ce que ça marche si je mets E? Je dors ou pas? Non, je dors pas. Hein. Je peux pas dormir en fait. J'ai fait n'importe quoi. Maintenant, il va falloir que je revienne sur cette route. Ah, putain, quelle galère. Ah, merci, il laisse passer. Ah oui, en fait, si tu mets ton clignot. Non, mais par contre, ça, c'est débile. Les ampoules d'en fait. Ah, ben, on en parlait hier avec Moutpout. Il me parlait des ampoules. Il me parlait d'amphétamine. Pour les chauffeurs routiers, et on savait pas si c'était... Il était pas sûr de ça. Il savait pas si c'était vrai ou s'il prenait d'autres types de stimulants. Donc ils bonnent vraiment des ampoules, en fait. Enfin,
Ah ben voilà, on passe la frontière, ça devrait aller là. Vous avez réussi à éviter la maladie ? Non, mais j'ai pu simuler les effets secondaires de la vaccination pour échapper à un dîner chez ma belle-mère. Les belles-mères. Là. Oui, c'est comme les pommes de terre, c'est mieux dans la terre. Oh. Dites-moi, Elodie, vous n'avez pas peur qu'elle vous entende ? Non, il y a pas rire et chanson en Belgique, et ça a ses avantages. De toute façon, c'est une belle-mère, elle entend que ce qu'elle veut. Oui, c'est vrai. Sinon, Elodie, on a reçu un courrier. Ah, de qui ? Et de votre belle-mère. Ah, mince, ça fait de part, donc. Alors, cher Bruno et Elo, c'est nous. Je vous écris du fin fond de la cuisine où je me casse en fait, cocaïne est un vrai technique. Alors que je sais très bien que mes enfants... Mais pour de vrai ? Mais attends... On parle de qui là ? On parle des routiers de l'Est ou des routiers français qui vont en pays de l'Est ? Est-ce qu'on sait s'il n'y a pas des régulations ? Non, je sais pas. Bah, ils doivent avoir des contrôles. Je me dis, tu te fais contrôler et t'es positif. Ouais, je sais pas après s'ils vérifient tout. À des drogues comme ça, si tu perds ton permis et tout ça, enfin je veux dire, c'est ton boulot quoi, tu vois. C'est quand même vachement bon. Vous avez goûté les derniers McMuffin? Ah oui, alors bon. Enfin, chère Marie, si vous voulez faire revenir vos enfants comme vous faites revenir les oignons, arrêtez. Oui, arrêtez de les inviter. Ne répondez plus à leurs appels. À leurs textos. À leurs WhatsApp. Ben oui. Et vous verrez qu'ils viendront défiler à votre porte tels des scouts vendeurs de cookies. C'est un peu mieux contrôlé, mais dans l'Est, maybe. Ouais, bah je me doute, ouais. Mais du coup, la question que je me demandais, c'est genre, si t'es chauffeur routier et que tu fais des livraisons dans l'Europe, un peu comme moi, là, tu vois, que tu pars. Dépassement du temps de conduite, 120 balles. Mais oui, mais je suis désolé, il n'y a pas de quoi faire dodo. Tiens, faut vraiment prévoir ça à l'avance en fait. Ok les amis. Genre, parce que du coup, t'es soumis aux trucs locaux, tu vois. Y'a pas de formule 1 sur la carte. Mais non ! Mais non, regarde ça. Ah, ouais, mais une place de parking. Mais tu vois bien qu'il n'y en a pas, le jeu. C'est toi qui fais le GPS. Tu vois bien qu'il n'y a pas de place de parking. Il n'y a même pas de route où je peux bifurquer. J'ai peur de m'endormir au volant et de prendre une glissière de sécurité. Ah, là, je vois des routes qui se croisent. Là, je vais trouver. C'est sûr. Ah, doucement. Je suis tellement pressé de dormir que je vais trop vite. Là, je vais trouver des trucs. Non, il y a quoi à gauche là ? J'ai une super idée de plat pour dîner en famille. C'est quoi à gauche ? Vu que papa est là, paella. T'as compris ? Vu que papa est là, paella. Allez, vas-y, file-tu au champ. Ah ouais, mais j'en sais rien en fait, je connais pas cette route. Jusqu'à demain, non, y a rien. Le kilo de crevettes entières cuites réfrigérées est à 6,99€. 6,99€ le kilo de crevettes cuites entières réfrigérées, élevées en Équateur. Allez, faudrait que je trouve, mais je sais pas comment on fait en fait. Ah ouais, non, mais y a rien en fait. Oh, y a rien, c'est la dèche. C'est la dèche, y'a que dalle pour dormir là. Ouais, mais je suis fatigué, je baille et tout. Bon, ouais, c'est bon, je vais crever sur la route. T'es obligé d'avoir un disque, une sorte de boîte noire où tout est enregistré, y compris le temps de conduite. Ah, je savais pas. Du coup, là, l'amende que j'ai eue pour dépassement de temps de machin, ça doit être vrai quoi. Ça doit être vrai, je pense pas que c'est aussi. C'est pas aussi style cinquième élément que ça, quoi, mais ok. Meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô, patron ? Ronin Pépin, je suis chez Lidl. Et en ce moment, ils font le sachet de pommes bicolores de 2 kg plus 1 offert à 2,99€. Allez, dis-moi qu'il y a un lit là. Ça revient à 1€ le kilo, et origine France. Hein. Lidl, comment je fais pour trouver un lit ? Toute l'année, un choix de plus de 140 fruits et légumes. Oh, c'est incroyable ces routes où il y a que dalle. Ah, ben voilà, il y a quoi là ? Calibre 115, 150, variété. Ah, ben non, mais j'arrive à Dijon. Origine France. Bon, franchement, écoute. Sur Lidl.fr. Conforama, le confort pour tous. Faites de la place pour recevoir. Oh non, mais j'y vais, hein, je vais au bout. Hein. Sur la console extensible péninsule, soit 299 euros. Qu'est-ce que je rate ? Ah non, c'est une station. Bah, tant pis, c'est pas grave. C'est une entrée d'autoroute. Tant pis, hein, je risque l'accident, hein. Steak haché de 100 grammes à 4,99€. Donc ça fait 4,99€ le kilo. Ah, 6,24€ le kilo, d'accord. Donc 10 steaks de 100 grammes, 6,24€ le kilo. Hello Bibiche, mais qu'est pas ça ?
Jimmy, j'ai besoin de toi là, j'ai des anecdotes et il n'y a que toi qui peux m'aider sur ces anecdotes. Parce que quand même, 6,24€ le kilo pour de la viande. Aïe, 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 ça me rappelle ce documentaire que j'ai regardé, ce reportage de France Télévisions sur les merguez et les saucisses. Aïe, 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 l'appellation viande ou préparation à base de viande ou tendon haché là, c'est quand même... c'est un délire, hein. C'est un délire. Hein. J'étais à un gala à Montpellier. Comment ça t'étais à un gala à Montpellier? Comment ça tu vas à des galas à Montpellier? Qu'est-ce que tu racontes là, Jimmy? Qu'est-ce que tu dis, Jimmy, là? Les joies de la recoupe. Oh là là, je me prends des paillettes, vas-y, vas-y. Ouais, voile noire là, je suis pas bien. T'étais à un gala quoi? Un gala de danse ou un gala type gala étudiant ou un truc comme ça? À droite, est-ce que je peux me reposer ou pas là? Non, mais là je vais arriver. Picard, pour le bon et le meilleur. Faut que je dorme là. 165 grammes, soit 25,27€ le kilo. Voilà. Modalité sur picard.fr. Pour votre santé. Oh, franchement, on va au bout. Hein. On va au bout. Hein. Il me reste 20 minutes là. 20 minutes de jeu, ça fait quoi? Ça fait 2 minutes à la réalité, je crois. Qu'est-ce que j'ai encore là? Jusqu'à lundi, avec 70% d'économie crédit. Ah, c'est les échéances. Bon, ça va, j'ai un peu de sous. Qui est chaud pour Gladiator 2? Alors là, pas moi. Je suis vraiment désolé, mais Ridley Scott, ça fait un moment que j'ai abandonné sa filmographie. Hein. Et oui, c'est ça, le mois de toutes les envies d'Alex et des vôtres aussi, Carrefour. J'ai payé en caisse 22,77€, différentes tailles et variétés disponibles. Les amis, ah oui, non, c'est moi qui ai un stop. Rire et chanson. Yeah. Rire et chanson, tous les jours, les stars du rire sur une seule radio. Une seule radio. Après celle-là, c'est bon. Non, après celle-là, c'est bon. 2.0. Non, non, mais Gladiator 2, non. Ridley Scott, il s'est perdu dans ses films. J'ai oublié d'enlever ça. Je sais plus ce que c'est son dernier film d'ailleurs. C'est quoi son dernier film? Bon, allez, je coupe. Je coupe parce que j'arrive. Allez, j'arrive, je suis au bout. Non, c'est quoi son dernier bon film, Ridley Scott, sérieusement? Parce que, est-ce que Covenant, c'est lui qui l'a fait, Alien Covenant, ou pas? C'est lui qui l'a réalisé, ou c'est juste c'est du Alien, donc c'est genre reproduit, et... Ce Covenant, c'était vraiment de la merde. Déjà, moi, à Prometheus, il m'avait perdu. Hein. Ah Jimmy, là tu arrives pour l'info, l'info rire et chanson, c'est un délire, attention. Putain, mais merde, je sais pas. Ah merde, en fait. Bonjour, je suis Aurélie. Oh non. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis quelqu'un de très calme et de très doux. Et pour ceux qui me connaissent, mes commentaires. Mon dieu, je viens de taper. Ah ouais, t'as vraiment le truc somnolence, quoi. Ah ouais, c'est compliqué. Devait produire deux œuvres constituées uniquement de 70,000€ en billets. Après réflexion, l'artiste a préféré les garder à 70,000€ et rendre des toiles blanches. Une œuvre qu'il a intitulée « Prends l'argent et tire-toi ». C'est marrant, ça me rappelle cette expo d'un autre artiste. Qui ça? Patrick B. C'était à la mairie de Levallois, je crois. Ça vous dit rien? Ah si, 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 il a même exposé à la santé après. Ah, oui, c'est ça. Info politique, voilà. Alors qu'il était en concert samedi dernier au Champ de Mars, Elton John a rencontré Anne Hidalgo. Séduit par la maire de Paris, il a déclaré soutenir sa candidature à l'Elysée. C'est un peu plus tard dans la soirée que la star mondiale s'est rétractée après avoir passé deux heures dans les couchons pour rejoindre son hôtel. Oh là là, qu'est-ce que c'est drôle! Ça vous gagne. Il y a quelques jours, oh mon dieu, mais je suis en train de crever. Bon, attends, je vais aller dormir et je ferai la mise. Il était à 4808 mètres lors de sa précédente mesure et a perdu 1 mètre depuis. D'ailleurs, notre ami Rémi Marceau, le grand bâtisseur de l'équipe, s'est manifesté en disant que lui aussi a perdu 1 mètre, un tournevis et une scie à plaque au plâtre. Oh là là, qu'est-ce que c'est drôle! Ah oui, American Gangster, ouais. Ouais. Excusez-moi, ouais. C'est la semaine des accents. En Italie, un prêtre aurait ouais. volé des fonds de sa paroisse pour acheter de la drogue pour ses orgies. Et oui, il a déclaré que c'était juste pour vérifier si les voix du Seigneur étaient vraiment impénétrables. Comme quoi, on peut être fan de pape et de pipe. Non, non, non. Oh là là, oh là là. Plutôt des animaux. Avec plaisir, Bruno. Les services fédéraux des États-Unis annoncent l'extinction. Voilà, mais je perds tellement de sous là. Parmi eux, le dernier spécimen d'un animal rare, constructeur de murs qui
qui avait trouvé refuge à Washington. Reconnaissable par sa grosse tête à la couleur orangée et sa mèche dorée, ce qu'il adorait surtout, c'était l'herbe des green filles de golf et s'accoupler avec des bécasses en émettant un son particulier. I'm Donald Trump and I approve this message. Elle est là, faut que je dorme là. Pour terminer, voici la citation d'un... Oh non, mais c'est pas possible. À la place d'ouvrir son cœur, il vaut mieux ouvrir une bonne bouteille de vin. Aïe, aïe. Oh mec, c'est une cata. Désinformez-vous. Ouais, c'est une cata, j'ai besoin de dormir. Barrez-vous. C'est sa fine équipe lundi matin. À partir de 6h, ils vont profiter d'un beau et long week-end. Barrez-vous, je vous ai dit. La première, c'est les MST, et la deuxième, c'est Nature et Découverte. Alors moi, c'est un magasin que je ne connaissais pas, parce qu'en fait, je vous explique, moi, à la base, je viens de Normandie. Je le dis pour ceux qui n'ont pas lu ma page Wikipédia. Et quand je suis parti de chez moi, le magasin n'était pas développé là-bas. Donc je l'ai découvert en arrivant ici, et franchement, il y a vraiment un effet de mode avec ce magasin. Hier, il n'y avait pas un sketch de Selig sur Nature et Découverte ? Je suis Nature et Découverte, hein ! Maintenant, c'est génial, parce que là-bas, tout le monde est calme, posé... Franchement, j'y suis allé, c'est pas que tout le monde est calme, posé. Non, c'est juste que déjà, t'arrives dans le magasin, il y a 8 mecs autour d'une fontaine à 300 euros, et devant le prix, c'est comme ça. À côté, il y a une bougie posée sur un galet à 75 euros. Donc là, t'es un peu intrigué, tu vas voir le vendeur. Tu dis, attends, excuse-moi, c'est un petit peu abusé. Ça, il fait, ah oui, mais attendez, ça sent... Incroyable, hein, c'est Nature et Découverte, c'est un thème. Hein. Mais ils vendent n'importe quoi chez Nature et Découverte. Ils vendent des CD d'ambiance à 20 euros. Et de suite à genre, t'as une heure de vent. Dernier duel avec Matt Damon et Driver. Non. Et maintenant, ouais, ça et les bobos, a priori. Il y a l'album Une heure de pluie qui vient de sortir. Alors celui-là, je vous le dis, en Normandie, ça fait un bide. Hein. Il y a un article vraiment pourri dans ce magasin. Celui-là, je suis sûr que vous devez le connaître. Vous savez, c'est la grenouille. Et à chaque fois que tu passes devant, ça fait... Ça, c'est un des cadeaux les plus pourris au monde. Le cadeau le plus pourri, entre parenthèses, je l'ai trouvé, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Vous savez, c'est la planche à pain avec parquet dessus. Il y a du pain sur la planche. Cadeau de merde. Merci, la foire fouille. Oh, j'avais envie de gueuler. Donc, la grenouille, tu passes devant... Ça vaut 20 euros et c'est vendu comme le produit comique du magasin. Alors attention là, je ne déconne plus. Sur la Ikea boîte, aussi. Ikea, c'est le sujet récurrent. Avec le plein du monde. Oui, en avant la déconne. Et tu vois, moi je suis un peu dans le métier et franchement ça me fait chier. Parce que je me dis, est-ce qu'il y a un mec qui achète ça et ça me fait marrer pendant 8 ans. Tous les matins, t'as un mec qui part au boulot. Bon les enfants, papa va au travail. Putain, ça valait le coup, hein. Ouais, c'est marrant, papa, tu fais flipper. Ça, c'est marrant. Tu saignes du nez. Et l'article phare du magasin, ce qui se vend le plus, c'est le jardin zen. Alors, le jardin zen, c'est pas un jardin, non. C'est un bac. Oula. Avec du sable, trois galets, et t'as un mini raptor. Et quand tu fais ça... T'es zen! Eh mec, tu veux mon bédo? Bah c'est bon, j'ai mon râteau, t'inquiète! C'est où? Voilà. On a niqué Amsterdam avec ce truc! Et tu vois, là le vendeur, j'en pouvais plus, tu sais, j'étais mort, je lui ai dit attends, mais tu te fous de ma gueule, mais ça c'est n'importe quoi! Mais non, je vous jure, vraiment, c'est le fait de ratisser, ça détend énormément. Personnellement, j'ai encore jamais vu un mec dans un parc. Vous savez, ceux qui galèrent avec les feuilles, là, tu sais, oh là là, c'est exactement ce que je voulais faire quand j'étais petit! Qu'est-ce que je suis zen ! La blague du jour de Rire et Chanson. Eh bah dis donc, Baptiste Le Caplin. D'un dit à l'autre, je crois qu'il y a soirée en bas. La blague du jour de Rire et Chanson est en podcast sur Rire et Chanson. T'es fan de Le Caplin, Jimmy, ou pas ? T'aimes bien, toi ? Tu me disais que t'aimais bien. Bon, là, j'ai dû perdre taquet de thunes. Alors, c'est pas que j'ai que ça à faire, parce que j'ai quand même un Olympia, hein, le 16 octobre, à préparer. Mais Rire et Chanson, ils m'ont demandé de venir faire l'émission pour remonter l'audience. Alors, du coup, Dijon, Berne, Lyon, Metz. Ben voilà, on va monter à Metz, on montre à Metz. Ah, mais ça paye pas des masques, quand même. Hein. Ce soir, 19h20, sur Rire et Chanson. Bon, et puis, si je dis trop de conneries, bon, vous couperez. Ouais, c'est bon, j'ai des ciseaux. De toute façon, je vais arrêter. Vraie histoire, j'ai croisé Selig à une intersection avenue Victor Hugo durant l'été, il est de Lyon à la base. C'est pas vrai. Alors qu'est-ce que tu lui as dit ? Tu lui as dit j'adore tout ce que tu fais ou pas ? À écouter et à découvrir tout de suite.
Hein? Non mais les sites de rencontres, mais c'est des supermarchés, il y a des milliers de produits en rayon. Par contre, il faut pas croire tout ce qui a marqué sur l'emballage. Si tu vois épicurien, cherche femme sensuelle pour relation sans prise de tête, il faut traduire. Épicurien en général, ça veut dire alcoolique. Femme sensuelle, ça veut dire bon coup. Tu l'as pas croisé, t'allais le voir, tu l'as pourchassé. C'est sûr que si le mec mettait alcoolique, cherche bon coup pour niquer juste une fois, c'est moins vendeur. Hein. Il y a aussi ceux qui mettent à la recherche d'un moment intense hors du temps. Là, faut savoir que ça sent le 5 à 7 dans l'ibis de la zone industrielle. Et le Formule 1 si le mec est un peu radin. Il y a aussi ceux qui racontent ce qu'ils cherchent. Je t'espère, féminine et authentique. Là, déjà, faut m'expliquer. Pour moi, féminine, c'est bien coiffée, bien maquillée, les ongles faits. Et authentique, c'est quoi l'idée? Son spectacle est pour bof, no shit. La moustache qui s'échappe du string. Il y a aussi ceux qui se plaignent, grands blessés de la vie amoureuse. Oh, choupinou. Là, ça veut dire que le monsieur, il cherche une infirmière, psy, aide-soignante, maman, pour soigner ses bobos, parce que les femmes, elles ont été croues, mais surtout de plus. Oh, choupinou. Putain, je pense qu'Andrew Manoff, c'était... C'était vu pendant un moment pas comme l'humoriste subversive, quand même. Je trouve que c'est... En 2021, les princes étaient seulement au rayon biscuit. C'est la révolution vraiment tranquille. Hein. Je veux dire, quand t'as une révolution comme ça, tu risques pas grand-chose. Hein. T'es vraiment tranquille. Il en cherche qu'une, mais il veut bien en essayer plusieurs. C'est important aussi de regarder les photos. Par exemple, il y a des mecs qui publient des photos d'eux en couple, mais coupées en deux. Avec juste la mèche de cheveux beaucoup, qui dépasse. Tu te dis qu'en 2021, le mec qui est même pas capable de recadrer correctement une photo sur son smartphone, il y a peu de chances pour qu'il sache se servir correctement du reste. Ah, puis en plus, c'est 2021, c'est de maintenant le sketch. Faut pas croire tout ce que dit le mec arrive qui dit « Bah moi, tu viens d'une rupture, j'ai pas mal butiné, j'ai beaucoup papillonné, ça veut dire j'ai niqué tout ce qui bougeait. T'as juste envie de lui dire « Bah pas la peine de sortir ton dard, moi les insectes, ça me file le bourdon. » Waouh. Attention, hein, les femmes ne je dis waouh. Je dis waouh. Au premier rendez-vous, vous verrez une fille dire bah moi si tu veux, je suis tendre, attentionnée, douce, sensuelle, souriante, charmante. Par contre, si on me contrarie, je change totalement de personnalité. Ah bah non, ça ah ouais, technique comme le rap contender, je suis d'accord. Ouais. Carré, quand on rencontre un homme pour la première fois, on aime bien savoir à qui on a affaire. On lui fait passer ce que j'appellerais un espèce de questionnaire de fiabilité. C'est limite un interrogatoire. Dans notre tête, on compte les points. En général, ça se passe dans un bar, il y a une petite musique douce. On met l'homme en confiance. Oh, j'aurais pas à déboire de Sprite, j'ai la tête qui tourne, alors que pas du tout. Donc t'as deux enfants, d'accord. Et ton fils a quel âge? 22 ans. Oh, c'est bien, c'est grand. Plus 800 points. Mais quel enfer! Tu dis à Montréal, oh, ça doit être dur pour toi, tu dois pas le voir souvent. Tous les 6 mois, oh là là, plus 4000 points. Et ta fille a quel âge? 7 ans! Ah, c'est petit, petit, petit! Moi j'adore les enfants, moins 3000. Et comment ça se passe au niveau de la garde? C'est un week-end sur deux, une garde alternée, je te félicite, je trouve ça génial. Les mecs qui assument leur paternité, félicitations, moins 9000. Mais il y a vachement d'écart entre tes deux... Ah, c'est pas la même maman, d'accord. Donc t'as deux ex de pension alimentaire, deux dates de vacances différentes, deux folles qui peuvent appeler en pleine nuit, moins 3500. Et tes parents font quoi comme métier? T'as perdu ta mère l'année... Oh, je suis désolée. Mais je sais, mais à n'importe quel âge, c'est tellement douloureux. Vraiment, toutes mes condoléances, pas de belle-mère, plus 15 000. Bon, alors, bah, sur ça, je vais arrêter. Hein. Je pense que c'est affreux. Allez, bonne journée, bon vendredi, bon après-midi. Et puis, elle disait, on ne dit pas tout. Voilà. Elle disait, on ne dit pas tout, Chédric, évidemment. Grande révolutionnaire devant l'éternel. Bonne journée et lundi peut-être un peu de snowrunner et je mettrai du coup j'irai chercher les sites de radio et je mettrai une radio russe. Voilà. Comme ça on rigolera sur rire et chanson en russe. Si vous trouvez le truc, c'est parti. Donnez-moi l'adresse. Allez, bye bye. Ciao ciao. Et si vous, je cherche une perruque pour mes streams Euro Truck Simulator. Si vous avez une perruque, donnez-moi ça. Ouais, Moulpout, Jimmy, ce soir 20h. Ça vous dit? C'est bon, 20h?
Allez, je prends ça pour un oui. On se quitte sur Andrew Manoff. Ou alors c'est Andrew Manoff qui nous quitte, je ne sais pas trop. Bye bye. Passez une bonne journée et un bon week-end. À bientôt.